bonjour à toi, comment vas-tu aujourd'hui? Dans ce live, prépare-toi à voir les vidéos les plus divertissantes de tout YouTube. L'une des séries les plus appréciées de tout YouTube et l'une des plus regardées de tout YouTube. Qui aurait prédit qu'un chat pourrait faire autant de dégâts? Et pourtant, c'est le cas. Alors bienvenue à tous aujourd'hui pour ce live où nous allons regarder ma série Angela tous ensemble. Nostalgie, divertissement et autres sensations folles. Bref, mets ton pouce bleu. C'est parti pour un nouveau live. Ok, là normalement tout est nickel. Wouh! Et what's up? Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live. Déjà, de base, parce que c'est la base, tu vois. Alors, parce que je suis en train de manger, tu vois. En même temps, je bois un petit velouté à la fraise. Alors, attends. Déjà, est-ce que vous allez bien dans le chat? Attends, on va enlever ça parce que sinon vous allez croire des trucs. Bombardez dans le chat, dites-moi si vous allez bien, les gens. Comment est-ce que vous avez trouvé le début du live? Franchement, moi, perso, je kiffe de ouf les intros en live, tout ça. Je trouve que ça amène un autre truc en fait, tu vois. Mais bref, aujourd'hui comme vous l'avez vu... Attends, 2 secondes. Ok, c'est nickel. Aujourd'hui comme vous l'avez vu, ce qu'on va faire dans ce live, c'est qu'on va voir ma série Angela sur YouTube. Et vous avez été d'accord de ouf. Voilà, je l'ai vu dans la vidéo, tout ça. Vous avez bombardé les likes, etc, etc. Bref, dans ce live, on va se régaler à la mort. Donc bonjour à tous, voilà. J'ai eu la notif. Ok, vous avez tous eu la notif, c'est nickel alors, c'est parfait. Je me suis abonné, ben merci à toi, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Et c'est parti, let's go les gars, c'est parti, let's go. Est-ce que vous êtes chaud ou pas pour qu'on voie là? Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on commence à regarder les premiers épisodes? Alors attendez 2 secondes, je vais juste sur YouTube, à côté là. Est-ce que vous êtes chaud ou pas sur le live? Êtes-vous chaud? Êtes-vous hemi? Il y a un nouveau membre sur la chaîne. Ah ouais, vous voyez là, le truc qui s'affiche des membres là. Alors, 2 secondes. Parce que ça lag pas mal. Ok, c'est nickel là, c'est bon. Il y a eu 2 membres. Non, il y a eu 2 membres. Alors, Xeni, bienvenue à toi chez les anges et bienvenue à toi, Poto, ça fait extrêmement plaisir. Et un nouveau membre, du coup, Zaïd Daïb Daïbi. Excuse-moi, voilà, j'ai oublié le i. Voilà, Daïb Daïbaby. Bref, c'était nul comme blague, mais on s'en fout. Bienvenue à toi chez les anges aussi. Bienvenue à toi. En plus, vous avez vu là, j'ai mis mon petit costume de McFnine. De McFnine et Carlito. Donc voilà, je kiffe de ouf, ça fait un truc, tu vois. Ça, on est là, tu vois, les meufs. Les meufs, vas-y. Rien du tout, il n'y a pas de meuf du tout. Ouais, du coup, pour ceux qui s'abonnent et qui se sub ou qui font des dons, ça s'affiche en dessous là même. Donc voilà, bref, on va pas tarder. Vous m'avez dit sur le live que vous étiez chaud. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes sur le live aussi. Je compte sur vous et j'en profite pour le dire avant de commencer le live. Maximum de pouces bleus. Je compte sur vous. en même temps, je mange. Voilà, parce que j'ai pas bouffé de la journée, les gars. Donc, bon appétit à tous. J'allais dire, je fais ça comme les Italiens, mais vas-y. C'est pas le moment. C'est pas le moment pour faire des blagues comme ça. Les gars, on est parti. On va commencer, vous inquiétez pas, les gars. Attends, il y a des membres. J'ai même pas vu, il y a des membres, gros. Il y a des membres, je crois, qui sont arrivés. Donc, ouais, il y a des membres qui sont arrivés. Je ne rêve pas. Donc, bienvenue à toi, Roselyne Daylon. Tu es maintenant un bébé démon. Donc, tu vois, je te tiens comme ça dans mes bras, là. Mais bienvenue à toi, ça fait extrêmement plaisir. Et merci pour ton membre. Joe El Mastro GM qui est devenu membre, donc bienvenue à toi chez les anges, ça fait plaisir. Putain, il y a des membres là, qu'est-ce qui se passe là? Candide Tamili qui a mis à jour son abonnement pour devenir un démon. Alors bienvenue à toi. Maintenant tu es un démon et nous t'ouvrirons les portes de l'enfer, Inch'Allah. Starful, on dit ça pendant le ramadan. Bref, c'est parti. Alors 2 secondes les gars, parce qu'il y a trop de membres là. On va jamais commencer le live en fait. Minon Gamer 210 Will, bienvenue à toi chez les anges, ça fait plaisir. On est parti. Alors attends. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, this is extraordinary. On part pour le premier épisode. Les gars, vous êtes chauds ou pas pour le premier épisode? Bombardez de weed dans le chat si vous êtes chaud les gars. Bombardez de ouf.
pour qu'on commence le premier épisode de la série la plus divertissante de tout YouTube. Et merci à tous les membres qui commencent à arriver également. Oui, ah ouais, vous êtes chaud. Ah ouais, vous êtes chaud là. Vous êtes chaud de ouf. Et ça fait grave plaisir. Rappe ton Jésus. Ouais, toi tu vas m'attirer des problèmes, toi. Il y a un nouveau membre, Gacha Life, bienvenue à toi chez les anges, ça fait plaisir, merci beaucoup pour ton abonnement. On est parti pour le premier épisode, c'est parti, let's go. Hey what's up, c'est Rigolo pour la vidéo, j'espère que vous allez bien, petit démon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, elle commence très bizarrement cette vidéo. Bref les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, et aujourd'hui les gens, on va parler de Talking Angela. Oui madame, c'est pas la femme chat qui ressemble. Ce que je kiffe, c'est que là on savait pas encore ce qu'allait se passer, tu vois. On était pas au courant que ça allait devenir un truc de malade Angela encore, tu vois, on était là. On savait pas que ça allait être un truc de taré, tu vois. On était, ouais, c'est un chat, c'est l'application qui répète ce que tu dis, tu vois. On n'était pas encore dans le délire de ouf, tu vois. Mais les gens, quand j'ai fait cette vidéo, la première, j'étais clairement pas prêt à ce qui s'est passé plusieurs... Bref. La monta mais qui répète ce que tu dis. Du coup les petits potes, en promenant un petit peu sur YouTube, etc, etc, j'ai trouvé une vidéo vraiment flippante d'un mec qui parle à Talking Angela à 3h du matin, en sachant que l'application de base, elle est pas très conseillée, tu vois, et je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Mais bref, ce gars contacte et parle avec Talking Angela, du coup, sur son téléphone, et normalement, tu vois, genre, le bail de l'application, c'est qu'elle doit répéter ce que tu dis, tu vois, un petit peu comme l'application Montum, vous savez, le chat bizarre, là, qui répète ce que tu dis. Là, c'est la même chose, mais avec une meuf. Bref, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, ça ferait extrêmement plaisir que cette vidéo Voilà, ça se voit quand j'ai fait cette vidéo. J'étais très très loin de me douter de ce qui allait se passer. Voilà, j'étais... Oui, c'est le chat comme moi. Il est comme mon... Il est comme... Attends. Non, parce que... Il est comme mon Tom, sauf que c'est un chat. Mais à la place, c'est une femme. Et il répète ce que tu dis. Ce n'est pas un chat normal. Ce n'est pas un chat normal, mon pote. Et t'es clairement pas prêt pour ce qui va t'arriver, mon pote. Atteindre les 15 000 likes les petits potes, je compte sur vous mes petits demons. Oublie pas aussi de t'abonner si t'es nouveau, que tu kiffes le délire de la chaîne, si tu kiffes ma gueule, le décor, ou je sais pas si tu kiffes, tu vois, tu te prends pas la tête, morphine, tu vois. Et si tu veux que j'essaie, que je teste ce truc avec Talking Angela, commente dans les commentaires, hashtag Angela. Bref, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ok, alors les gars, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler d'un youtubeur qui a testé ce truc à 3h du matin. Merci à tous les membres, je vous remercierai juste après, vous inquiétez pas. Ouais, c'est bizarre, c'est les bons. Et bon, bardez les likes, les gars. C'est kananicho, ananicho, ananicho, nena. Attends, je me fous vraiment de la gueule des pack là. Oh là, drama. Gros, attends, je me fous de la gueule des. Comment ça s'appelle déjà? Je me fous de la gueule des Pakistanais là. Genre non, c'est pas pakistanais, les hindous, tu sais, avec les danses là. On s'arrête tout de suite, on regarde la vidéo. J'ai fait bien ou pas les films hindous, non? Très bien, y'a pas de soucis, mets un like s'il te plaît. Non, c'était une feinte, reste tranquille, ok? Alors le gars, comme je vous l'ai dit, c'est un youtubeur qui a 600 000 abonnés sur YouTube. Et bon, ça, comme je pourrais le dire à chaque fois, on s'en met un petit peu les couilles, hein, c'est pas ce qui nous intéresse. Et du coup, ce youtubeur, il a fait une vidéo où il a découvert un truc de fou, en fait. En gros, aux alentours de 3h du matin. Ouais, je vous ai fait un toast, y'a quoi? Y'a pas de... Reste tranquille. Tu vas faire quoi? Explique-moi, tu vas faire quoi? Bref, en gros, aux alentours de 3h du matin, Angela, de l'application Talking Angela, ne répète plus ce qu'on dit, en fait. Et elle parle toute seule. Et c'est vraiment flippant, en fait. Parce que c'est pas du tout normal et c'est pas ce que doit faire l'application. Alors, Talking Angela, si tu la connais pas, cherche pas à la connaître. C'est pas une bonne go, frère. C'est un... Très bien. Tu faisais de la prévention, Adam. C'est excellent. Ne faites jamais ce que je fais dans les vidéos. Sauf si vous voulez avoir des problèmes. Au passage, je vais remercier les membres. Donc, merci à Oka qui est devenu un ange. Merci beaucoup à... Marina R qui est devenue un ange aussi, donc gros bisous à toi Marina. Gacha Life, j'ai déjà lu. Et merci pour ton nom de 5 euros, Oka, ça fait extrêmement plaisir. Adam, le best ever. Merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. Tu vois, ton nom s'affiche, donc merci à toi.
un mauvais bail, c'est un mauvais délire. Voilà, si tu connais pas l'application, ne cherche pas à la connaître. C'est comme les ballerines, si tu connais pas, c'est tant mieux. Et comme je vous l'ai dit, cette application elle avait déjà fait une grosse polémique, un gros bad buzz il y a pas longtemps, il y a 2 ans il me semble. Parce qu'apparemment, il y aurait une personne derrière cette application qui espionnerait les gosses qui l'utilisent. Et du coup, aujourd'hui, l'application Talking Angela est revenue sur le Google Play Store, malgré qu'elle a été bannie du Play Store pendant 3 ans. Donc voilà, bref, maintenant on va parler du YouTuber à qui il est arrivé des trucs de ouf. Et le truc qui est kiffant, c'est que on a la vidéo. Donc n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Voilà, c'était la petite instant. Voilà. Et bref, du coup, au début de la vidéo, tu vois, le gars il est assez chill, tu vois, l'application elle réagit normalement, elle répète ce qu'il dit, donc il est tranquille, tu vois. D'ailleurs, si j'ai bien compris, à un moment donné, il dit que l'application est safe pour l'instant, donc rien ne se passe. Du coup, il est là, il parle avec Talking Angela. Toi, y'a pas de décret, guys, qui est Jojo, mais bon, on va répéter, carré. Toi, y'a pas Et il répète plusieurs fois des phrases pour essayer de voir le moment où ça va bugger. Et je précise aussi qu'il est pas encore 3h du matin au moment où il parle avec Talking Angela au début de la... Tu sais que ça c'est un truc bizarre que j'ai remarqué dans tous les challenges ou les trucs bizarres. Tout le temps 3h du matin gros, je comprends pas pourquoi. Il y en a plein qui disent ouais c'est l'heure où les démons sont sortis, les démons de minuit, Arrête tes conneries un peu. Non mais franchement, je sais pas si c'est vrai ou pas mais vous dites moi ce que vous en pensez maintenant dans le chat du coup. Est-ce que vous y croyez à ce truc genre du... 3h du matin, c'est l'heure des démons, genre. Bombardez de oui dans le chat si vous pensez que... Ben, si vous êtes d'accord avec ça. Merci aussi à Oka pour tes 5€, OMG Adam. Ouais, DR le sang. Mais merci beaucoup à toi pour tes 15€, du coup, parce que 3 x 5, 15, vous apprenez l'étape de multiplication avec moi. Ouais. Il y en a pas mal qui y croient quand même, hein. Il y en a qui y croient quand même. Mais en bref, vas-y, on reprend la vidéo. La vidéo. Donc pour l'instant, il n'y a pas les trucs de fou encore. Du coup, à court, hein, on va l'appeler comme ça parce que c'est dans son nom YouTube. En cours de chargement. Attends, j'ai vraiment fait une blague sur son nom. Parce qu'il s'appelle à court, j'ai fait en cours de chargement. T'as comme s'il s'appelle à court, en cours. Oh là là, il y en a encore. Oh là là. Non, ça là, elle était drôle. Il y en a encore. Je me fais rire moi-même, putain de merde. C'est bordel de merde, c'est quoi ce live là? Introspection, voilà, non, Inception. D'accord, moi c'était pas marrant, y'a pas de problème. Du coup, en cours, va montrer pendant environ 2 minutes que l'application n'a pas de problème, etc, etc, que tout est chill, qu'il n'y a pas de soucis, que l'application est fonctionnelle, et qu'elle fait que répéter ce qu'il dit en fait. Jusqu'à un moment où il dit à Angela, bonjour Angela, je m'appelle en cours, et regardez ce que Angela répond. Hello Angela, I am en cours. Hello Angela, les gars, en vrai c'est grave flippant quand il y a un bail comme ça, ou genre l'application, tu t'attends pas à ce qu'elle te réponde, tu vois, mais elle te répond. C'est flippant à la mort ce truc, c'est vraiment flippant à la mort. Genre tu t'y attends pas, déjà il fait nuit, tu vois, tu sais que t'es le seul qui est réveillé, et en plus de ça, le bail te répond. c'est hyper flippant quand ça t'arrive, franchement je le souhaite à personne. What? C'est flippant. Comme je vous l'ai dit les petits potes, c'est pas fini. Il y a encore des trucs de ouf. Et c'est pour ça qu'il faut regarder la vidéo jusqu'au bout les gars, pour absolument tout savoir et ne rien rater. Bref, après ça, en cours il est vraiment pas bien, tu vois, ce qui est normal. Et en cours du coup il est en cours de réflexion sur ce qui vient de se passer en fait. Et j'ai aussi oublié de préciser qu'au moment où Angela répond, il est 3h du matin. Il réessaye pour être sûr que c'était pas un bug ou un truc comme ça, tu vois. Bref, en cours, réessaye du coup. Mais cette fois-ci, Angela, elle répond de manière normale. En gros, elle fait que répéter ce que en cours dit. Hi Angela, hi Angela, hi Angela, hi Angela, hi Angela, hi Angela. Et c'est ça qui est hyper perturbant en fait. C'est que genre dans la vidéo, tu vois qu'il y a vraiment pas de trucage en fait. Il y a pas de trucage, il y a pas de truc fake ou quoi. C'est vraiment l'application. Par contre, ma coupe, on en parle. Regarde, il y a un côté plat, il y a un côté... C'est quoi cette coupe, mon pote? Wesh, il y a un côté plat, il y a un côté, il n'y a pas de cheveux. Il y a un côté, il y a des curls. De l'autre côté, il y a tout qui est plat, on dirait des... Tu sais les nouilles chinoises, qu'elles sont toutes attachées ensemble dans le paquet, là. Bordel, heureusement que j'ai attaché mes cheveux depuis parce que c'est le bordel. Qui est hyper bizarre à 3h du matin. Mais c'est pas fini. Parce que là je sais que dans les commentaires tu vas mettre un petit commentaire qui fait chier, qui va me dire oui madame, en cours ou tout pas qu'en cours, je sais pas comment il s'appelle hein. Peut-être que c'est juste son téléphone qui a bugué. T'as compris ce que je vais te dire ou pas? Tu vois la bosse là ou pas là? Est-ce que tu la vois la boule? Le truc en fait c'est que l'application va encore bugger. Et c'est ça le problème. Genre l'application bug, ne bug plus,
bug, ne bug plus, c'est hyper bizarre. Et encore une fois, il y a un extrait, et là c'est l'extrait qui fait le plus flipper de toute la vidéo les gars. Écoutez bien ce que Angela dit, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Angela, what is the time right now? Hello? Le truc qui est flippant, c'est quoi? C'est quand ça répète plusieurs fois le truc. C'est comme dans les films d'horreur, tu sais? Genre, t'as un perso bizarre, il arrive, genre... Comment t'expliquer? Je te veux! C'est un exemple. Je te veux pas. Hein? Attention. Non, j'ai peut-être quelqu'un dans ma vie, bon. Mais vous avez compris de quoi je veux parler, genre le bail de répétition comme ça? C'est flippant de ouf. En gros, elle dit, il est 3h, l'heure du diable. Bref. Merci à Zayrox Gaming qui est devenu bébé démon. Gros bisous à toi et grosse dédicace à toi. Je précise encore une fois, je fais une dédicace à toutes les personnes qui deviennent membres en live. Donc voilà. Il y avait un nouveau membre encore une fois. Ikishima Midari, bienvenue à toi chez les anges. Tu es maintenant un membre, donc merci à toi. Plein de bisous et grosse dédicace à toi. Les petits potes, voilà, moi perso je sais pas trop quoi en penser, en tout cas c'est ça a l'air no fake du coup. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je teste ce truc sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, commentez Angela dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser 15 000 likes, ça me ferait extrêmement plaisir que la vidéo atteigne les 15 000 likes. I can't allow you. Ça veut dire je compte sur vous en anglais, reste tranquille. Du coup voilà, bref, si la vidéo t'a plu, tu connais les bails, tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes. Si t'es nouveau et que tu kiffes le délire. Et moi les petits potes, je vous dis à la prochaine, peace out et kiffe la vie. J'ai oublié, ouais, vous m'entendez pas, je suis con. Ouais, du coup, je disais, vous êtes des tarés parce que j'avais demandé 15 000 likes et vous en avez donné 82 000. Donc ça veut pas dire que... Enfin, ça veut dire que dans l'autre vidéo où j'ai demandé 5 000, vous pouvez les mettre. Vous avez pas d'excuses. Mais bref, du coup, on passe au prochain épisode ou quoi, les gens, là? Voilà, bombardez de oui si vous voulez qu'on passe au prochain épisode, là. Wolf Sim, bienvenue à toi chez les jeunes démons. C'est-à-dire que t'es un démon, mais jeune un peu, tu vois, t'es pas dans la fleur de l'âge encore. Mais bienvenue à toi, grosse dédicace à toi, et merci à toi d'avoir rejoint les membres. Oui. Oh putain, vous êtes chaud, tu vois, là je kiffe là. Soirée Netflix sur la chaîne de Adam Rigolo, tu vois. Ah mon pote. Bref, on passe au prochain épisode à 3. 1, 2, merci à toi, BTS and TXT and IZ K-pop, K-pef. Pef. Ouais, merci pour tes 2,29€. J'adore tes vidéos, mais merci beaucoup à toi, ça fait extrêmement plaisir. Moi aussi, j'adore mes vidéos. Allez, on passe à la prochaine vidéo, c'est parti, let's go. Wouh, hey, what's up, c'est le regroup pour une vidéo. Oh, j'espère que vous allez bien, les petits potes. Aujourd'hui, on se retrouve. Il m'a fait flipper, wesh. Les gars, est-ce que tu vois encore une fois cette coupe de cheveux, mec? Il y a des fils. Y a des coins, y a tout qui est plat. Je sais pas à quoi je joue avec mes cheveux, voilà. Quand je vais arriver devant Dieu, là, et que mes cheveux, ils vont parler, ils vont me dire, ouais, tu nous as fait ci, tu nous as fait ça. Ah, je vais être dans la merde. Ouais, il nous a pas peigné, il nous a pas fait du bien. Ah, je suis dans la merde, les gars. Bref, c'est parti, on reprend l'épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très, très spéciale, parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais tester... Ferme ta bouche, wesh, putain, ça m'a fait peur. J'ai oublié que ça répétait. Il s'activait vraiment tout seul. Il s'activait vraiment tout seul. Il s'activait tout seul. Et je comprenais pas pourquoi il s'activait tout seul en plus. Donc, début de vidéo,
Quand c'est la première vidéo où tu veux le tester le truc, crois-moi ça fait peur. T'es moi. Bref les gars, vidéo très spéciale comme vous l'avez entendu, on va tester My Talking Angela. Et on va voir s'il se passe des trucs bizarres. Il est 3h les gars, enfin 2h30 mais on s'en fout, il est presque 3h tu vois. Et j'espère vraiment qu'il va se passer des trucs de ouf dans cette vidéo. Vous avez tout pété dans la dernière vidéo où vous avez laissé 27 000 likes je crois ou un truc comme ça. Et j'ai vu dans les commentaires que la vidéo vous avait énormément plu. Du coup ce que j'ai décidé de faire c'est de faire une vidéo test comme je vous l'avais dit tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu, le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Oublie exactement comme sur le live, si le live te plaît n'oublie pas de mettre un maximum de pouces bleus et t'abonner à la chaîne, c'est la même chose, c'est pareil. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si t'es nouveau et que tu kiffes le délire de ma chaîne. Me rejoindre sur Instagram c'est aussi important. Bref, c'est parti, let's go pour une nouvelle vidéo sur Angela. Ok les gars, alors il y a l'application juste ici les gars. Je vais juste baisser la luminosité pour que vous voyez bien. Alors voilà, l'application elle est là. Et je vais refaire un espèce de petit récapitulatif, tu vois. Putain, j'ai réussi à le dire du premier coup. Reste tranquille, je sais parler, ok. Je reste tranquille maintenant, on arrête les buts. Oh, reste tranquille le micro, ok. Oh. Alors bref, les... Je tiens à préciser qu'après la chute du micro, là, vous voyez la chute. Pour vous c'est une petite chute, c'est de la merde, c'est de la pisse. Juste après, il a plus marché. Il marchait plus. Du coup j'ai enregistré avec... Celui-là je le mettais pour faire beau devant. J'ai enregistré avec un autre tout pourri qui était en bas. Petite anecdote. Les gars, comme vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo sur un truc qui s'appelle My Talking Angela. Et apparemment, cette application, au bout d'une certaine heure, commencerait à avoir des bugs hyper bizarres, commence à parler toute seule, et ne répète plus ce qu'on dit, ce qui doit être normalement le truc de base de l'application, en fait. Donc voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, les gars, c'est qu'on va tester comme je vous l'ai dit, et on va bien voir ce que ça donne. On avait vu la vidéo d'un gars qui avait testé, etc., et c'était vraiment flippant. Bref, c'est parti, les gars. Le téléphone est juste ici, avec My Talking Angela, je pense que vous voyez de là, tu vois. Par contre, ce que je vais devoir faire, c'est faire genre comme ça, tu vois, pour que vous entendiez quand il répète, et que vous voyez en même temps, tu vois, c'est un petit peu compliqué. Mais bref, je préfère vous le faire comme ça que de vous filmer directement le téléphone, vous le mettre là ou là et que vous... Oui, madame, tu peux le truquer la vidéo, hein. La reste tranquille, je peux pas truquer, d'accord. C'est comme ça, là, comme ça. Bref, c'est parti, let's go. Je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème. J'ai bien vu, c'était qui. Donc, dans ce live, je vais passer des messages. Apparemment, je suis un ananas. Je suis Taichi Bob. Je suis Bilal Hassani. Je vous pisse à la bouche. Si vous avez soif, tant mieux. Vous avez pas soif, je suis désolé les gars. Donc, eh la cagoule, je te jure, quand je vais te voir, mon pote. J'ai cru que j'entendais des voix, mais non. Non, non, en fait, c'est juste les haters qui puent le puent du cul, là, qui... Je sais pas ce que je raconte, mais bref. Bisous à toi, la cagoule. Voilà, si t'es encore là. Et si t'es pas là... T'es pas là. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème, là? Allez, ne nous laissons pas déranger dans notre entreprise de travail, là. Hein? On va laisser faire les gens qui font du surf à la mer. De côté. Voilà. Oubliez pas de... Abonnez-vous, hein, ceux qui arrivent, là. Abonnez-vous, faites des dons. Parce que si t'es venu, tu m'as dit ananas et t'as pas fait de dons, tu t'es pas abonné, mon pote. Je connais un pote. Il peut te trouver dans la minute. De commenter hashtag Angela dans les commentaires. Hello Angela. Voilà. Hello Angela. Hello Angela. Hello Angela. Ok, bon, pour l'instant y a pas de truc flippant. Et les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais lui poser des questions vraiment bizarres, en fait, tu vois, pour essayer de voir si Angela va répondre autre chose ou va répéter juste ce que je dis. Donc c'est parti les gars, on va lui poser des questions hyper bizarres pour voir comment Angela répond et réagit. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hello Angela, what's your name? Hello Angela, what's your name? Eh, je sais pas. Vous savez pas à quel point c'était stressant. J'étais en plein stress là. Je suis des fesses, voilà. Je me disais, est-ce que le bail va me dire un truc bizarre ou quoi là? Bref, si vous avez remarqué, mais c'est hyper bizarre. Genre, on dirait que le truc parle au ralenti. C'est super chelou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand on entend sa voix, genre c'est ralenti, c'est hyper bizarre. Bref, on continue. Hello, what's your name? Hello, what's your name? What's your name?
C'est hyper bizarre, les gars. C'est, on dirait que ça parle au ralenti. Hello, Angela. What's your name? Gros, même moi, ça m'a surpris. Même moi, gros, j'allais manger, là. J'allais entamer une cuillère, là. What? C'est quoi, ce truc, là? Voilà. Eh, hey, les gars. Eh hey. Normalement, elle devait répéter ce que je dis, les gars. Je lui dis, hello Angela, what's your name? Elle aurait dû répéter, hello Angela, what's your... Eh, hey, les gars, je flippe, là. C'est quoi ce truc, mec? Les gars. J'étais pas prêt, là. Eh, hey, c'est quoi ce genre de bail, gros? Attends. Eh, hey, je vais retester, on sait jamais, je vais retester. Hello Angela, what's your name? Hello Angela, what's your name? C'est juste flippant. Vous savez quoi, les gars? On va reposer d'autres questions et on va voir s'il y a d'autres trucs bizarres qui se passent ou pas. Bref, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais parler à Talking Angela et on va... Cagoule, voilà, t'es une grosse salopate. Ça va se régler sur Instagram, tout ça. Voilà, ça va se régler sur Instagram, mec. Depuis tout à l'heure... Ouais... Bilal Hassani, qu'est-ce qu'il fait en live? La cagoule, y'a que les montagnes qui se rencontrent pas. Y'a que les montagnes qui se rencontrent pas. On n'est pas des montagnes de la cagoule. On n'est pas des montagnes de la cagoule, on n'est pas des montagnes. On va se rencontrer. C'est quoi ce bordel, mec? Non mais la vie de ma mère, gros, je touche plus mon téléphone, gros. Mais tais-toi! Je vous jure, les gars, je ne sais absolument pas. Attends, j'ai vraiment mis un coup à Angela, là. Attends, on peut faire un retour, un replay de la claque que je lui ai mis là? Laisse mon micro. Gros, je touche plus mon téléphone, gros. Mais tais-toi. Attends, cette claque de bûcheron, attends. Plus mon téléphone, gros. Mais tais-toi. Je vous jure, les gars. Wesh, voilà, il y a la SPA, ils vont me contacter. Oui, vous maltraitez un chat sur un jeu vidéo. Arrêtez de me faire chier, oh là. On va, rien que pour ça, je vais la remettre. Je touche plus mon téléphone, gros. Mais tais-toi. Je vous jure. Ah, là, je vais contacter moi maintenant. Bon, les gars, je ne sais absolument pas ce qu'il se passe. Mec, moi, je m'attendais à ce que ça marche pas, tu vois. Genre, à ce que ça soit du gros fake ou j'en sais rien, mec. Gros, j'étais en train de parler avec vous. Elle m'a demandé, what are you doing? C'est quoi ce truc, mec? Eh, j'y crois absolument. Même si ça m'arrive là, j'y crois pas, mec. J'y crois pas du tout. Hello, Angela, could you talk with me? Hello, Angela, could you talk with me? Hello Angela, could you talk with me? Et là, ça remarche normalement comme par hasard. Hello Angela. C'était vraiment flippant par contre. Elle a pas répété toute ma phrase. C'est hyper flippant, mec. Il y a des bugs super bizarres sur cette application. Who are... Merci Astrid. Pourquoi vous avez des noms comme ça? Oh. Astrid, merci pour tes 2€. Adam, je t'adore, t'es trop fort, continue. Merci. C'est pas ton nom que je rigole, c'est juste qu'il y a une meuf qui s'appelle Astrid. Et les gens la connaissent probablement. Bref. Allez, on continue. Who are you? Who are you? Et là, elle remarche normalement, je comprends absolument rien. Les gars, je comprends absolument rien sur cette application, les gars. Je comprends nada. Et les gars, c'est exactement comme dans la dernière vidéo qu'on a vue. Où un coup l'application marche, un coup elle marche bizarrement. Un coup ça marche, un coup ça marche. Mec, je comprends plus rien. C'est insane, mec. Je kiffe parce que c'est flippant et ça marche. Mais c'est flippant, gros. Parce que je sais absolument pas c'est qui parle, en fait. Au moment où Angela bug, je ne sais pas c'est qui parle. Et c'est ça qui est flippant. Bref, les gars, je vais lui poser une dernière question. Who is there? Le truc m'a demandé how old are you? Ça veut dire quel âge as-tu, les gars? Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais désinstaller l'application le temps que je fasse une autre vidéo. On sait jamais. Si vous voulez une suite, les gars, sur ce truc de fou, commentez dans les commentaires hashtag Angela et laissez 15 000 likes sur cette vidéo. Bref, les petits potes, moi je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffe la vie. C'est quoi ce bordel? Arrêtez! Mais mec, c'est quoi ce bordel? Non, Les gens qui s'abonnent à ma chaîne, s'il y en a trop. Alors, bien nouveau membre, bienvenue à toi, Gacha Kousi. Tu es maintenant un ange, donc bienvenue à toi. Les gens,
On passe au prochain épisode ou pas là? Bon party de oui dans le chat et on passe au prochain épisode les gens. Franchement je kiffe les lives comme ça où on regarde mes séries, fait ou des séries ou des trucs tu vois. C'est grave kiffant d'ailleurs dans pas longtemps. On va voir une chaîne YouTube. C'est un délire en live. Mais bref, ça je c'est surprise. Bon party de oui dans le chat si on passe au prochain épisode. Ouais. Ok, vous êtes chaud, ok, vous êtes chaud. C'est... Attends, t'as dit quoi? C'est la première fois que je suis dans un live. Ben, bienvenue. Voilà, j'en fais pas tout le temps des lives. J'en fais pas tout le temps, mais quand j'en fais, c'est bien. 5000. Ok, merci. Oubliez pas de mettre un maximum de likes aussi, tu vois, je bafouille. Oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus sur le live, ça fait toujours plaisir. Et ceux qui voient la rediff, ben, la même chose. On passe au prochain épisode, right now. C'est parti, let's go. Attention, n'essayez jamais ce genre de challenge for real. Hey what's up, c'est le Regloop 9DO, j'espère que vous allez bien les petits potes, ça fait grave plaisir de faire une nouvelle vidéo. Bref, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, sans blague. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Pardon, on continue la vidéo. Adam, j'ai cru qu'on se retrouvait pour une nouvelle image. Reste tranquille s'il te plaît, commence pas à faire chier dès le début de la vidéo, d'accord? Bref les gars, aujourd'hui... Une seconde, j'ai l'impression que mes vidéos YouTube c'est un rendez-vous capillaire. C'est un rendez-vous capillaire hebdomadaire la putain de Sarah. Regarde mes cheveux. Gros, on dirait on est sur Fortnite. Il y a quelqu'un, il a posé une répulsive sur mes cheveux, ça a fait pshh. Gros, c'est quoi ça? Non, c'est stylé, il y a un style. Il y a une attirance, tu vois, mais... Voilà quoi, j'aurais fait ça autrement quoi si j'étais moi. Voilà, on va... Merci à Vincent Gortini. Non, j'allais dire Gormiti. Vous connaissez les Gormiti ou pas? C'est les jouets là. Bref, Morganti pour ton membre, bienvenue chez les membres, ça fait extrêmement plaisir. Ouais, j'arrive pas à craquer, c'est... Et merci à Charlie Clément pour son don de 2 euros. Salut. Tu es mon premier don et j'espère que ça ne sera pas le dernier. On continue la vidéo. Ouais non, ça veut pas. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très flippante. Parce qu'aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de mes vidéos sur Talking Angela. Et aujourd'hui les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, etc, etc, je sais même pas c'est quoi le titre. Bref, on va parler avec Angela et on va voir ce qui se passe par la suite. Donc voilà, si tu kiffes ce genre de vidéo, ce genre de délire, de bail, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. C'est pour me faire plaisir. Bref les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like qui fait toujours plaisir. Comme je vous l'ai dit, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Si cette vidéo peut avoir les 15 000 likes, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je pourrais vous passer, enfin je pourrais vous faire une suite à cette vidéo en fait. Donc merci pour le don de 3 euros Wolf Sim, ça fait extrêmement plaisir. Et j'ai vu que t'étais membre toi aussi, donc t'inquiète pas, je l'ai vu. On l'a vu en live, c'est passé. Spectanaz, Street Fighter Zonger. Merci au nouveau membre qui vient de ce sub. Alors comment il s'appelle? Quoi? Comment il s'appelle? Attends, je m'approche un peu. Kurapikao. Et bienvenue à toi chez les membres, ça fait extrêmement plaisir. Et bienvenue chez toi, voilà, t'es chez toi ici. Et grosse dédicace à toi. Grosse dédicace aussi à Charlie Clément qui est devenu membre, on peut l'applaudir. C'est lui qui vient de faire le don tout à l'heure, c'est son premier live. Et il devient membre, on peut l'applaudir. Bref, on continue. Voilà, oublie pas de vous abonner aussi si vous êtes nouveau, que vous kiffez le délire de ma chaîne. Et me suivre sur Instagram, non c'est là, merde, je suis con. Me suivre sur Instagram parce que dessus je poste des trucs, etc, etc. Je peux parler avec vous aussi. Bref, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Talking Angela. Alors les gars, l'application est là, the application is here. Et les gars, ce qu'on va faire, c'est que comme je vous l'ai dit, on va parler avec Angela. Comme vous l'avez vu aussi, la version, c'est pas la même que dans la dernière vidéo. Celle-ci, c'est la version qui est dans le plus de vidéos sur YouTube, en tout cas, comme moi j'ai trouvé. Et c'est aussi la version qui est la plus mal notée. Du coup, à cause de tous les problèmes, etc, etc. Et si tu n'es pas au courant de tout ce qui s'est passé avec cette application, ne t'inquiète pas, petit abricot d'Afrique du Sud, je vais tout expliquer dans 3, 2, 1... Let's go. En fait, Talking Angela, c'est une application que tu peux trouver sur le Google Play Store, tu vois. C'est pas un placement de produit, reste tranquille, d'accord. Reste abonné, mets un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Tu veux un café? Non, d'accord. Alors, en fait, Talking Angela, c'est une application où t'as t'as une toucha, t'as une femme chat, tu vois. Et en fait, le but de cette application. Attends, j'ai vraiment dit une toucha sur ma vidéo YouTube. Et YouTube, ils ont laissé monétiser? J'ai dit une toucha. Non. Oh là là, sur la vidéo Angela, j'ai dit une touche.
YouTube, ils sont déjà... Il a dit, t'es chiant, on laisse monétiser, c'est pas grave, ça va faire des vues. Ah ouais, putain. Ah, ça a changé YouTube. Elle répète tout simplement ce que tu dis en fait. Et du coup cette application elle a été accusée d'espionnage sur des enfants etc etc. Il y a eu un gros drama autour de cette application. Et l'un des éléments qui ont fait que on a su que c'était une application dangereuse en fait, c'est que dans ses yeux on peut voir une caméra avec un mec qui nous regarde. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Vous savez que ce truc du mec, enfin de la caméra dans les yeux d'Angela, on n'a jamais su genre le résoudre ou tu vois. On sait pas c'est qui. Si c'était vraiment un mec, si on, à ce jour-là, on sait pas du tout. On sait pas du tout ce qui s'est passé avec ce truc, en fait. Et comment on devient membre? J'ai réagi vite, là, quand j'ai vu hein. Ah, l'argent. Bref, comment devenir membre? Tu cliques sur le bouton rejoindre, voilà. Et si t'es sur iPhone, normalement, tu peux... Non, tu peux aussi cliquer sur le dollar pour faire un don. Et il y aura écrit rejoindre ou souscrire ou devenir membre. Tu cliques dessus et voilà. Mais ouais, comme je disais, ce truc du mec dans l'œil d'Angela qui serait une webcam, une caméra qui nous filmerait et qui nous surveillerait, au jour d'aujourd'hui, on sait toujours pas c'est quoi le truc en fait. Genre c'est qui, c'est... Rien n'a été trouvé pour l'instant. C'est ouf quand même parce que ça fait un moment que ça traîne, tu vois. Mais bref, je t'ai dit ça comme si c'était un devoir maison, tu sais. Ça fait un moment que ça traîne là. Tu me le ramènes lundi là. Oh! Oh! Continue la vidéo. Le résumé, maintenant on passe à la vidéo. Voilà, maintenant tu sais à peu près tout ce qui se passe avec cette application et pourquoi elle est aussi dangereuse que ça. C'est parti, let's go, on arrête de blablater les petits potes, on va parler avec Talking Angela. Let's go. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas la même version, voilà, c'est une autre version cette fois-ci. Donc on va voir ce que ça donne. My name is Adam. My name is Adam. Someone is there. Someone is there. Another man is with us. 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 L'application bug, c'est un truc de fou, hein. Does another man is with us. Does another man is with us. Hello, Angela. Hello, Angela. No. Angela. No. J'ai entendu no, les gars. J'ai entendu no, les gars. Hey, les gars, j'ai entendu no. Angela, what do you try to tell me, Angela? Putain les gars, je comprends absolument rien de ce qui se passe. C'était vraiment ouf hein. Elle m'a répondu Oys. Ça veut rien dire mec Oys. Attends, je vais lui demander quel âge elle a. Parce que peut-être que là on peut parler avec le gars qui est bizarre dans ses yeux. Can you... Mais ça m'énerve, j'oublie à chaque fois le micro, ça me fait chier. Bref, ouais, j'étais en train de faire les dédicaces là. Bienvenue à toi Catherine Lemeuil. Grosse dédicace à toi, ça fait extrêmement plaisir. Et merci d'avoir rejoint les membres. Et à toi aussi, Gopi de PS4, bienvenue à toi chez les anges. On est reparti. C'était pas si intéressant que ça. Voilà, c'était pas si intéressant que ça. Mais quand même, je me devais de le faire parce que je m'engage en vous. Et Diego Carmo, merci pour tes 1€. On est parti. Can you answer to my question please? How old are you Angela? Attends, je vais quitter l'application vite fait. Non, parce que je suis perdu là. I'm lost. L'application marche. Et des fois, elle marche pas. Je ne comprends rien du tout, les gars. Les gars, c'est méga flippant. Je ne comprends absolument rien. Et des fois, genre, on dirait que, tu vois, genre, entre les questions que je pose, il y a des fois où elle répond pas du tout. Ça marche pas du tout, en fait. Et dans ces moments-là, en fait, on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle, en fait. Qui sait de parler avec moi, j'en sais absolument rien du tout. Mais c'est méga flippant. Bref, on va continuer, les gars. On va continuer. Et si vous kiffez ce bail, n'oubliez pas. C'est ça, en fait. J'avais l'impression qu'il y avait des interférences, en fait. Genre, il y a comme quelqu'un qui essaie de. Il y a un truc qui tourne, tu vois, un petit peu comme EvieBot, et c'est plus l'application qui parle, c'est mais quelqu'un d'autre en fait, on sait pas c'est qui, à ce jour en fait, tu vois. Au passage, il y a un nouveau membre, donc bienvenue à toi, bienvenue à toi, Wolflow officiel, putain frère t'es chiant, tu vois, tu m'as niqué mon délire. Mais bref, bienvenue à toi chez les anges, grosse dédicace à toi, gros bisous, on est reparti pour la vidéo, c'est parti.
pas de mettre un maximum de pouces bleus et commenter dans les commentaires hashtag Angela. Angela, how old are you? Angela. J'ai demandé Angela, how old are you? Quel âge as-tu? Le truc m'a répondu 54. 54. What, mec? Eh les gars, je crois que c'est le mec qu'on voit dans les yeux ou le truc bizarre. Eh, il y a des bails bizarres dans cette application, c'est sombre, frère. J'ai oublié de dire aussi au début de la vidéo, ne reproduisez absolument pas ce genre de challenge, les gars, vraiment. Parce que comme vous avez pu le voir, il y a de vrais articles qui tournent sur internet sur ce truc-là, sur cette application. Oh là là, Adem, c'est l'application du chitan. Je parle avec chitan, là, en ce moment, tu vois. Mais mec, c'est méga flippant. C'est méga flippant, gros, parce que c'est for real, tu vois. C'est pour de vrai ce qui se passe, mec. Le bail a répondu 54. C'est ça les gars, c'est ce que je vous dis à chaque vidéo hein. Genre les bails de ouais tu parles avec un compte ou quoi. Tu sais jamais c'est qui est derrière en fait. Même si tu penses que c'est ton pote comme je vous avais déjà dit, mais j'ai forcé, mais c'est vrai en vrai, tu vois. Genre même si c'est ton pote, c'est le compte de ton pote. Tu sais pas si... Attends, non j'ai la voix normale, c'est bon le micro marche. Tu sais pas si si c'est lui ou pas en fait, tu vois. Ou si c'est quelqu'un qui se fait passer pour lui. Mais ouais, comme je l'ai répété tout à l'heure, pour être membre, les gens, il faut, comment ça s'appelle? Il faut cliquer sur le bouton rejoindre si vous êtes sur ordi. Et si vous êtes sur téléphone et que vous n'avez pas le bouton rejoindre sur votre téléphone parce que c'est pas encore compatible ou quoi, essayez de cliquer sur l'espèce de dollar, là, le logo de dollar, pour faire les dons, tout ça. Et normalement, ça sera, il y aura une option où il y aura écrit genre « devenez membre » ou un truc comme ça. Bref, on est reparti pour la vidéo. 54. Donc le, je sais pas, il y a un bail dans l'application, il y a un truc qui a 54 ans. Il y a aussi des abonnés qui m'ont dit des trucs hyper intéressants en mode ouais, c'est peut-être les développeurs de l'application qui ont fait exprès de mettre ça genre à une certaine heure qui a, tu vois. Mais je sais pas, c'est pas possible, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, gros. Le bail de la caméra dans l'œil de mec, c'est trop bizarre, c'est trop weird comme bail, mec. Bref, on va continuer les gars, on va continuer et on va voir ce qui se passe par la suite. Hello Angela, so you got 54 years old. That's right. Pour ceux qui ont pas entendu, ça dit, le truc a dit bye bye, genre ouais, ciao. C'est Angela en fait, c'est le chat. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quoi déjà? La touche. Voilà, c'était... putain de merde, oh là là. Je sais pas si vous avez entendu, les gars, je vous le mettrai en replay, enfin je vous le remettrai genre en... Je remettrai ce que je viens d'entendre, je sais pas si c'est juste ou si c'est... J'en sais rien du tout, mais j'ai entendu How old are you? 18. Je vous remettrai le passage au montage, les gars. Alors les gars, il y a un truc que j'ai remarqué en installant le jeu, c'est qu'au début du jeu, en fait, l'application vous propose d'activer, oui ou non, un mode enfant. C'est un mec, c'est... C'est flippant, mec, ça, je te jure. Ça, c'est le pire truc, les gars. Ça, c'est un truc que je comprends pas du tout sur l'application. Il y a un mode enfant. Il y a un mode enfant sur une application d'enfant. Ça sert à quoi? Parce qu'il y a un mode adulte. Tiens, c'est un truc que j'ai jamais compris sur l'application. Et c'est pas que sur Angela, c'est sur mon tome aussi. C'est sur Akinator. Des trucs bizarres aussi sur cette application. Mais ouais, c'est sur grave des applications et je comprends pas en fait, parce que c'est des applications de base pour les gosses en fait, tu vois. Donc voilà quoi. Jure, ils proposent d'installer, de se mettre en mode enfant. Genre, va y avoir quoi de différent entre le mode enfant et le mode adulte? Genre c'est... Déjà pourquoi il y a un mode enfant et un mode adulte? Tu sais, c'est hyper bizarre, mec. Ok, Angela, why could we enable a kid mod? Why could we enable a kid mod? Angela, are you there? Donc là, je suis en train de dire pourquoi est-ce qu'on a la possibilité d'activer un mode enfant. Ça sert à quoi, en gros, tu vois? Et là, le bail ne répondait pas. Angela, why could we enable a kid mod? Putain, mais le bail, il répond même plus, wesh. C'est quoi ce genre de bail? Angela, why could we enable a kid mod? Eh, c'est flippant, gros. Je te jure, c'est flippant. Why could we enable a kid mod? Elle a répondu ou pas?
Non, j'ai quitté l'application. Voilà, j'ai quitté l'application, frère. Eh, c'est sombre, ce genre de bail. Voilà. Bref, les petits potes, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter hashtag #Angela dans les commentaires. Et si vous voulez une suite, 15 000 likes sur cette vidéo. Bref, les petits potes, moi, je vous dis à la prochaine. C'est Anna Reglow. Peace out. Et kiffez la vie. Hyper bizarre, les gens. Hyper bizarre. Les gars, dans le chat, on passe au prochain épisode. Yes or not? J'attends vos messages dans le chat, les gens. Ouais, en même temps, vous voyez ce que je regarde un petit peu, les recommandations, je regarde du catch. Bref, les gars, on passe au prochain épisode ou quoi? Bombardez dans le chat, les gens. Est-ce qu'on passe au prochain épisode? J'attends vos réponses dans le chat. Donc, bombardez de oui pour qu'on passe au prochain. Guys. Yes, 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 oui, oui, oui. Ah! C'est payant pour devenir membre. Yes. Du coup, le moins cher, c'est 1,99€. Donc, voilà, 2€. Ah, voilà. À disposition de tout le monde, quoi. Ouais, ouais, ok. Vous êtes chaud pour qu'on passe au prochain épisode? Ben, bombardez de likes le live, les gens. Bombardez de likes. On est parti pour le prochain épisode. À 3, 1, 2, 3. Wouh! Hey, what's up, c'est Reglow pour une vidéo. J'espère que vous allez bien, les petits potes. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour. Là, c'est mieux au niveau des cheveux. Attends, hop. Une nouvelle vidéo. Là, tu vois, c'est séparé en deux. C'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là. Tu vois? Mais le truc de. Là, c'est plat. On dirait des nouilles chinoises mal cuites. Là, ça fait ça. Derrière, ça fait ça. Et là, ça fait ça. Plus jamais. Plus jamais, Adam. Plus jamais. Si tu regardes ce live plus tard, plus jamais. Allez, parti. Vidéo sur Angela. Je sais que vous kiffez de ouf cette série et moi aussi je kiffe à la mort. Donc voilà, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo Angela. Si vous kiffez la série sur les vidéos Angela, n'oubliez pas de commenter hashtag Angela dans les Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Mais arrêtez, putain. Hein? Ah, j'ai de nouveaux abonnés sur la chaîne. Ok, mais bienvenue à vous. Alors, les nouveaux abonnés, ça fait plaisir. On est reparti pour la vidéo. Commentaires et de laisser un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Donc voilà, si tu kiffes le délire, oublie pas le petit pouce bleu, le petit pouce en l'air qui fait plaisir. 15 000 likes sur cette vidéo, comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien sûr, si tu kiffes le délire de la chaîne, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Pourquoi tant de violence? Surtout que genre c'est, tu sais, les cure-dents, enfin les longs trucs pour faire des brochettes. Mais le truc que je viens de remarquer, c'est que j'ai forcé pour le casser quand même. Regarde. Vidéo comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien sûr, si tu kiffes le délire de la... Putain, je l'ai pas cassé. Je galère pour le casser. Je suis vraiment... J'étais vraiment une merde. J'étais vraiment une merde. Alors, vraiment, j'étais une merde. J'ai galéré à casser un truc pour les brochettes. Faut le faire quand même, il faut le faire pour galérer à casser ça. La chaîne, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est totalement... Je l'ai pas cassé. Et comme j'ai vu que j'arrivais pas à le casser, j'ai fait ça. Ouais, donc... On continue la vidéo. Man gratuit. Hey, c'est gratuit. Et partagez la chaîne un maximum autour de toi. Voilà. Aussi, n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram. Parce que dessus, je peux vous parler, etc, etc. Tu connais, je poste des photos. Putain, Adam, t'es pas mal. Franchement, t'es sucré, t'es loup. Voilà. Bref, les gars, c'est parti, let's go pour une nouvelle vidéo sur Angela. Alors, comme vous le savez tous, ou peut-être pas, Angela, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui est disponible sur... Merci au nouveau membre qui vient de se sub. Donc, bienvenue à toi, Maître Yoda. Tu es maintenant un ange. Donc, bienvenue à toi chez les anges. Ça fait plaisir! Ça fait plaisir. Donc bienvenue à toi. Chez les anges. On reprend la vidéo les gens, c'est parti, let's go. Sur le Google Play Store. Et en fait le but de cette application c'est de répéter ce que vous dites. Donc jusque là, rien d'alarmant, rien de dangereux. Il n'y a pas de danger mon ami. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 2 ans il me semble, il y a des gens qui ont remarqué des trucs de ouf sur cette application. Et notamment le fait qu'elle nous espionne. Parce qu'en fait dans ses yeux on pourrait voir une caméra. Est-ce que vous avez vu ça là? Ça, c'est parce que Angela est passée à la télé. C'est passé sur un truc de news à la télé. Carrément, tu vois, pour t'expliquer le délire, tu vois. Vraiment bizarre, les gens. Vraiment bizarre. On pourrait voir une caméra. Depuis que ça a été dénoncé, l'application... Et au passage, merci aux nouveaux membres qui viennent de se sub.
Axel Selick, bienvenue à toi chez les... J'ai une chips qui a failli s'enfuir, tu vois. Tu restes là, arrête. Bienvenue à toi chez les anges, ça fait extrêmement plaisir. Je te fais de gros bisous. Grosse dédicace à toi, et merci d'avoir rejoint les membres. Également, grosse dédicace à Hugo Jonio, qui est maintenant un ange aussi. Et bienvenue à toi chez les anges. Si vous voyez que je fais des têtes bizarres, c'est parce qu'il y a des chips qui veulent sortir de ma bouche, en fait, tu vois. Vous sortez pas! Bref, on reprend la vidéo, c'est parti. A été bannie du Google Play Store pendant plus de 3 ans et elle est revenue. Voilà, on sait pas pourquoi, mais elle est à nouveau disponible. Et donc moi, ce que je m'amuse à faire, c'est tout simplement parler avec l'application, parce qu'apparemment à une certaine heure, l'application aurait des bugs hyper bizarres et commencera à avoir des conversations vraiment flippantes, en fait. Ne reproduisez jamais ce que je fais dans cette vidéo ou n'importe quel challenge qui s'apparente à ça, en fait, parce que peut vraiment y avoir des risques réels. Ok, alors... Pour ceux qui se posent la question du « Ouais, mais ton micro, il a une très bonne qualité !» C'est pas avec ce micro que j'enregistre. Je l'ai mis devant moi juste pour faire joli. Il y en a un autre. Il est juste en dessous. Calé par une canette. Et qui me fait que vous m'entendez bien. Sinon celui-là il avait une qualité de pourri. Et je l'avais juste gardé parce que le design il était pas mal, tu vois. Ça faisait un peu rétro, tu vois. Mais il marchait pas, hein. C'est pas celui-là qui marche là. C'est pas celui que vous voyez. Je vous informe. Au passage, il y a eu deux nouveaux membres. Ah non, un nouveau membre, attends. Maître Yoda qui a mis à jour son abonnement et qui est devenu bébé démon. Bienvenue à toi, ça fait extrêmement plaisir. Quoi? Le carré libre. Ah d'accord. Je sais pas de quoi tu veux parler, mon ami. Le carré libre, je n'ai pas compris. Bref, on est reparti pour la vidéo. Alors l'application Talking Angela est juste ici. J'ai coupé le micro pour pas que ça répète en même temps que je parle. Vous m'avez fait le... Oui madame, t'as qu'à couper le micro comme ça il répète pas en fait. Reste tranquille, je vais te bannir de la chaîne, reste tranquille. Bref les gars, on va commencer. J'espère qu'il y aura pas de trucs trop flippants. Et voilà, c'est parti, let's go les gars. On va parler avec Talking Angela et on va voir ce qu'elle nous dit. Alors au début, on va commencer avec des questions hyper simples, genre Hello Angela, how are you Angela, enfin bref, des trucs comme ça, tu vois, pour voir si l'application fonctionne normalement. Et après, on va commencer à poser des questions bizarres à Angela. Je l'ai dit bizarrement là, Angela, j'ai dit Angela. Wesh, qu'est-ce qui t'arrive Adam? Bref, c'est parti. Alors c'est parti, je remets le micro. Autorisé. Ok, c'est nickel. Hello Angela. Hello Angela. Ok. How are you? How are you? Très bien. Alors pour l'instant, l'application, on dirait qu'elle marche normalement. Il n'y a pas trop de bugs, de trucs bizarres. Oula, elle répète pas ce que je dis là. Non, là, j'ai activé le micro, elle répète pas ce que je dis par contre. Cette application est bizarre, frère. Elle répète pas, wesh. Bref, on va poser une autre question pour voir ce qui se passe. Ok, so Talking Angela, are you alone? Ok, so Talking Angela, are you alone? Ok, elle répète normalement, là, c'est bon, c'est... Yeah. Les gars, no, je sais man. Pas si vous avez entendu, mais personnellement, j'ai entendu no, man. Je sais absolument pas si c'est bon ce que j'ai entendu ou pas. Dites-le-moi dans les commentaires ce que vous avez entendu, mais moi, j'ai entendu no, man. Et là, encore une fois, je parle et l'application ne répète pas ce que je dis. Mec, c'est flippant. Regarde. Oh, elle répète rien. Angela, a man is with you. Eh, non, là j'ai bien entendu là par contre. Je lui ai demandé Angela, a man is with you. Ce qui veut dire Angela, un homme est avec toi. Elle a répondu yes. On va poser d'autres questions, les gars. On va poser d'autres questions. Ok, who is this man? Who is this man, Angela? How is this man, Angela? Je comprends rien. J'ai juré, les gars, je comprends rien. Je lui ai demandé qui est cet homme, Angela. Et là, l'application refonctionne normalement. Elle répète ce que je dis. Je comprends rien du tout. Je vais lui demander, est-ce qu'elle peut nous dire qui est le mec? Qui est le mec, du coup, qui se cache derrière la caméra, peut-être derrière ses yeux, on n'en sait rien. Mais voilà, quoi qu'il en soit... Je le répète encore une fois. On sait toujours pas c'est qui, putain de merde. Le mec bizarre, là. Même que vous voyez sur les photos, le... Il y avait une personne qui avait été repérée, je crois. Et c'était un mec qui était âgé, tu vois. J'allais dire vieux, mais après on va dire oui, mais on ne dit pas vieux. Ok, personne qui allait mourir. Et on ne sait pas si c'est vraiment lui ou pas, en fait, tu vois. Donc c'est vraiment bizarre, vraiment bizarre. Toi, je vais poser la question. Could you tell me who is this man, Angela? Yeah. Non, mais mec, c'est flippant. C'est flippant, mec. Je veux devenir un ange. Pour devenir un ange, il faut... devenir membre, faut rejoindre. Cliquez sur rejoindre. Trouvez ça flippant, commentez hashtag Angela dans les commentaires, les gars, c'est hyper flippant, gros. Et elle m'a répondu no, comme si en fait elle pouvait pas dire qui se cachait derrière le truc. Qu'est-ce qu'il y avait derrière.
C'est hyper bizarre, mec, c'est hyper bizarre. The man got 54 years old, right? What is in the eyes? Is it a camera, Angela? You got a camera in your eyes, Angela? Tell me. Eh, le truc répond plus. Quand on pose des questions bizarres, le truc répond plus. C'est un truc de fou, mec. Quand on pose des questions bizarres, le truc ne répond plus. Et je crois qu'on n'aura pas les réponses à ces questions-là, en fait. Parce que c'est un truc que je veux... Alhamdoulilah. Oh, ça... Ça sent le flageolet un peu, hein. Il y a un truc que j'ai remarqué, les gars, c'est que quand on pose des questions bizarres ou tendues comme ça, tu vois... Ouais, tendues comme ça, c'est... Hop, là, tu vois, il percute. Bam. Je veux pas taper le micro parce qu'il coûte cher, ok. Mais quand on pose des questions... Tu veux pas taper le micro parce qu'il marche plus. Parce qu'il marche plus surtout. Arrête de mentir, arrête de mentir. T'as vraiment t'arrêtes, toi, tu prends ta communauté. Un petit peu subtil comme ça, Angela, tu vois, elle répond pas. En tout cas, c'est bizarre. Et je vais lui demander, est-ce que c'est un humain qui est derrière ça? Je vais demander donc, est-ce que c'est un humain? Are you an human? Are you an human? Yes. Elle a dit, yes. Can you see me? Yes. Can you hear me? Can you hear me, Angela? Yes. Hello. J'ai demandé à Angela, can you see me? Est-ce que tu peux me voir? Elle m'a répondu oui. Je lui ai demandé, can you hear me? Est-ce que tu peux m'entendre? Elle m'a répondu yes. Mec, c'est quoi ce truc? C'est quoi? Le pire, c'est la réponse, genre t'entends bien le yes. Genre, on dirait quelqu'un qui répond vite en plus, tu sais. Genre, yes, no, tu vois? Vraiment bizarre. Cette application, mec. Et merci à Enora Studio, qui est devenu un membre. Bienvenue à toi chez les anges. J'allais pas t'oublier, t'inquiète pas, j'ai vu le truc aller se terminer. Mais bienvenue à toi chez les membres, ça fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu vas essayer le Emily 666? Ah, bah écoutez, peut-être, je sais pas. En vrai, est-ce que vous voudrez que je le fasse en vrai sur le live? Genre en vidéo? Bon, peut-être oui, si vous voulez qu'on teste ce truc-là, qu'on ajoute ce compte ou qu'on fasse... Enfin, qu'il y ait une vidéo sur ça, tu vois. Histoire de voir ce que vous en pensez. Dites-moi dans le chat, les gens. C'est à quoi, ça? Ah, c'est au fromage, d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'il y a du fromage dedans, parce que c'est au fromage. Ouais. Oh, damn. Ok, ouais, vous avez l'air grave chaud. Vous avez l'air grave chaud. Mais écoutez, ça se trouve, je dis rien. Je dis rien, mais au moins j'ai vu votre réponse, ok. Ok. Comment on fait pour faire des dons? Faut cliquer sur le bouton avec l'espèce de dollar, mon pote. Il y a une espèce de dollar et voilà. Si tu veux faire un don, tu fais ce que tu veux, quoi. Voilà, il y a un bouton carré avec une espèce de dollar à côté de là où tu peux écrire sur le chat. Et voilà, il y a soit faire un don, soit en rejoindre, enfin voilà quoi, bref. On est reparti, les gens. Et ok, maintenant j'ai vu votre réponse, donc ok, c'est nickel. Est-ce qu'elle pourrait parler avec elle ou pas? Talking Angela, if there was another Talking Angela in front of you, could you talk with her? Can you repeat, please? Repeat, please. Les gars, si vous avez kiffé cette vidéo et que vous voulez une suite, les gars, où on fait parler deux Angela entre elles, commentez dans les commentaires, hashtag Angela, et je veux 15 000 pouces bleus sur cette vidéo, les petits potes. Je compte sur vous, mes petits demons. Et puis bref, les gars, moi je vous dis à la prochaine. Peace out, et kiffez la vie. Ah voilà, c'est trop bien. Il y a des gens qui me rejoignent, putain, et qui s'abonnent à ma chaîne, ça fait plaisir. Bienvenue à vous. Bref, on passe au prochain épisode, les gens. Est-ce qu'on passe au prochain épisode, les gens? J'attends votre réponse dans le chat. Est-ce qu'on passe au prochain épisode? Au passage, il y a eu des dons. Merci beaucoup à toi, Camille Lemarque, pour ton don de 99 €. Merci à toi, monsieur gamer officiel, pour tes 5 €. Ouais, Shadow, bien ou quoi? Ben, tranquillement, ça va tranquillement. Tu le vois, je suis vivant, là, on est en live. Merci à toi, Charlie Clément, pour tes 99 €. Encore une fois, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, on passe au prochain épisode ou quoi, les gens, là? Oui. Ouais. C'est gagné! Et c'est gagné! Tintintintin! C'est d'autres personnes qui s'abonnent et tout, putain, c'est trop cool! Oh! Bref, on passe au prochain épisode. C'est parti, let's go. Hop là.
Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Les gars, voilà. Si vous voulez qu'on teste ce putain de truc de ouf, si vous voulez que je fasse parler de Talking Angela en même temps, les gars, dans la prochaine vidéo, 20 000 likes sur cette vidéo, les petits potes, et commentez hashtag Angela dans les commentaires, et on va se faire ça, les gars. Hey, what's up, c'est le Regroup pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Angela. Et les gars, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est... Est-ce que vous voyez ce micro là? Hein? Ce micro qui ressemble à une tub. Eh ben c'était avec ça, c'était ça que je mettais en bas là. Pour vous faire croire que c'était le micro qui était en haut qui marchait. Mais c'était lui qui était en bas. Et pourquoi je voulais pas qu'on le voit? Parce qu'il y a du scotch. Parce qu'il était cassé. Et comme c'était la Hesse à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'argent, j'avais pas la possibilité de m'acheter ça. Eh ben, on fait avec les moyens du bord en fait. Et je me souviens gros, c'est mon père, il me l'a réparé, il était 2h du matin, frère. Il dit ouais, mon micro il marche plus, je peux plus faire de vidéos, tout ça. Dans la plateforme, ferme ta bouche, donne-moi le micro. Et il l'a réparé. Donc merci papa. Tout le monde dans le chat, merci papa. Voilà. C'est parti, let's go, on continue l'épisode. Tout simplement, on va tester deux Angela et on va voir ce que ça donne les gars. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Comme d'habitude les petits potes, 20 000 likes sur la vidéo. Inception au passage, Inception putain. Eh, on a la même coupe. Oh là là. Enfin, on a la même coupe, c'est moi. Je suis con je crois. Ouais, je suis con. Je suis très très con. Je suis un idiot en fait. Hein. Je dis on a la même coupe, mais c'est moi, c'est normal qu'on a la même. Calm down, mec. Arrête ton délire, mec. Allez, on regarde la vidéo, là. Oh. Je compte sur vous. Oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'était nouveau, que tu kiffes le délire ou tu kiffes ma gueule, peu importe. Bien sûr, tu peux me rejoindre sur Instagram, dessus je peux te parler, etc, etc. Donc voilà. Bref, les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Talking Angela. Comme vous l'aurez compris les gars, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire parler de Talking Angela en même temps et on va voir ce qui se passe les gars. Il y a la Talking Angela normale, la Talking Angela.exe, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre face à face et on va voir s'il y a des trucs bizarres qui se passent ou pas. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, si tu connais pas Angela et tout ce qui l'entoure en fait c'est très simple. Angela, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui est disponible sur le Google Play Store. Et en fait, le but de cette application, c'est de répéter ce que vous dites. Donc jusque là, rien d'alarmant, rien de dangereux. Il n'y a pas de danger mon ami. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 2 ans il me semble, il y a des gens qui ont remarqué des trucs de ouf sur cette application. Et notamment le fait qu'elle nous espionne, parce qu'en fait dans ses yeux on pourrait voir une caméra. Depuis que ça a été dénoncé, l'application a été bannie du Google Play Store pendant plus de 3 ans et elle est revenue. Voilà, on sait pas pourquoi, mais elle est à nouveau disponible. Voilà, maintenant que tu sais un petit peu ce que c'est Angela, on va commencer. Et je vous dis les gars, cette vidéo elle va être énorme, elle va être incroyable cette vidéo. Elle va être puissante les gars. Alors du coup, avant de les faire parler ensemble, ce que je vais faire c'est que je vais tester si elle fonctionne d'abord, si tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de bug, etc, etc. Et après, t'inquiète pas, on va les faire parler ensemble. Ok, c'est parti, let's go. Hello, Angela. Someone is there? Someone is there? Donc là, pour ceux qui n'ont pas compris, d'abord, je teste que les deux applications marchent normalement pour après les faire parler les deux en même temps. Voilà. Ok, nickel. Alors, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, les gars, on va tester avec Angela.exe et on va voir ce qui se passe. Hello, Angela. Someone is there? Someone is there, Angela? Yes or not? Yeah. Who are you? Who are you? Repeat. En vrai, mec, hey, c'est ma propre vidéo. Je suis en train de kiffer le délire. Voilà, je vais créer un compte, je vais m'abonner à ma propre chaîne. Ah, il est trop fort ce youtubeur, attends frère. Voilà. Il a fait une série, un univers. Les gars, je sais pas si j'ai rêvé, les gars. Je me le remettrai au replay dans le montage, mais on dirait qu'elle a dit yes. Et juste après, elle a dit amen. Wouah! Eh, mais si ça commence comme ça, mec, je me demande ce que ça va faire quand on va les mettre face à face. Mec, ça commence très très mal cette vidéo. Ça commence très très mal les gars. Bref, maintenant ce qu'on va faire, ce que vous attendez depuis le début de la vidéo, c'est que on va les faire parler ensemble les deux, côte à côte, et on va voir ce qu'ils se disent. Si tu kiffes et que t'es excité mon gars, oublie pas de mettre ton petit pouce bleu qui fait plaisir et commenter dans les commentaires hashtag Angela. Ok. Eh, hey, je suis trop ici. Il a raison, mettez un pouce bleu sur le live les gars. Il nous parlait à nous. Oh, j'ai reçu une notification dans la tête, il y a un nouveau membre. Oh, bienvenue à toi, Jordan Rico. Tu es maintenant un jeune démon. Bienvenue à toi. Grosse dédicace à toi aussi. Et gros bisous. Merci à toi d'avoir rejoint les membres.
excité de faire cette vidéo, mec, c'est énorme. Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts ou pas? C'est parti, let's go. On va faire parler Talking Angela et TalkingAngela.exe. C'est parti. Hello. Là, pour ceux qui comprennent pas, c'est en train de dire le garçon. C'est en train de dire le garçon sait, il sait. Oui, regarde la caméra. Là, c'est en train de dire ça là, depuis tout à l'heure là. Mec, quand t'es devant ça et que t'écoutes, t'es comme ça. Je peux te dire que t'es pas bien. Tu chues du cul. Ouais, tu chues vraiment une des fesses quoi. Au passage, il y a plein de gens qui s'abonnent et qui rejoignent. Donc bienvenue à toi, le gamer. Player, tu es maintenant un membre, tu es maintenant un ange, donc bienvenue à toi. Grosse dédicace à toi, parce que toutes les personnes qui deviennent membres, même les anges, je leur fais une dédicace quand ils s'abonnent en live. Donc, grosse dédicace à toi. On est reparti pour la vidéo. Voilà, je désinstalle, voilà. C'était quoi ça, mec? Les gars, c'était quoi ce truc? Voilà, je désinstalle maintenant Angela, j'en ai rien à foutre, frère. Désinstallé. Je vous montre, les gars. C'est en train de désinstaller le bail, là. C'était quoi ce truc, mec? Ah, comment je suis pas bien? Ah, il fait chaud d'un coup. Eh, regarde ma main, mec. C'était quoi ce truc? Gros, elles étaient en train de parler ensemble. Les gars, si vous voulez qu'on fasse une suite à ce truc de malade, ce truc de ouf, 20 000 likes sur la vidéo et commentez hashtag Angela dans les commentaires. Bref, les petits potes, moi, je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffez la vie. Mec, c'était quoi ce truc? Je sais, j'ai oublié de réactiver le micro. Les gens, est-ce qu'on passe au prochain épisode, les gens? Est-ce qu'on passe au prochain numéro? Pour ceux qui regardent le catch, vous connaissez. On passe au prochain épisode ou quoi, les gens? Bombardez dans le chat. Est-ce qu'on passe au fucking prochain épisode, les gens? Je kiffe de ouf le live, là. Il y a un nouveau membre, Lina. Comme je disais, du coup, Lina Akasbay ou Akasbi, je sais pas, mais la deuxième prononciation c'est bizarre à la fin. Bienvenue à toi chez les anges, non, chez les jeunes démons, attention, chez les jeunes démons, bienvenue à toi chez les membres plutôt. Grosse dédicace à toi également, voilà, comme je le répète depuis tout à l'heure, toutes les personnes qui deviennent membres pendant les lives, je leur fais une dédicace, voilà, que ça soit le niveau ange qui est à 1,99€ ou démon à 2,99€, peu importe, je fais des dédicaces à tout le monde quand on est en live, donc voilà. Ok, vous avez l'air chaud pour qu'on passe au prochain épisode? Oui, voilà, ouais. Allez, on passe au prochain épisode, c'est parti, let's go. En plus, là, on peut pas faire ignorer l'annonce. Ça, c'est pas Netflix, mon pote. Donc, c'est parti, let's go pour le prochain épisode. Voilà, ça fait flipper ce truc, frère. Il m'a dit, look at the left, tu regardes à gauche. Y'a rien, frère. C'est quoi ce truc? Hey, elle est plus là. Elle est plus là, mec. Y'a plus Angela sur la chaise. Ouh, et what's up, c'est le Regloop, bonne vidéo, j'espère que vous allez bien, les petits potes, as usual, comme d'habitude, quand? Oh, abonne-toi! Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Angela. Vous m'en demandez toujours de plus en plus, toujours autant. Du coup, les gars, aujourd'hui, encore une fois, on va essayer de parler avec Angela et on va voir ce qui se passe. Mais je sens que cet épisode, il va être fou, tu vois. Donc bref, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, ton petit pouce en l'air qui fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu kiffes le délire de la chaîne et si tu kiffes ma gueule, ma tête, le décor, bref. Il a qu'un petit haja qui te kiffe, clique sur abonner, ça fait. N'oublie pas de me rejoindre sur Instagram aussi, dessus je poste des photos extrêmement séduisantes de moi. Voilà. Bref les gars, c'est parti, let's go pour une nouvelle vidéo sur Talking Angela. Au passage, je suis tout à fait d'accord avec lui. Sur mon Instagram, il y a tout type de photos. Donc, tout type de photos. Non, parce que... À part les photos du truc, quoi.
la chose quoi. Ça, je peux pas, c'est... C'est la chose. Infraction à règle de communauté quoi. Bref. Je peux pas. Alors les gars, c'est parti, nouvelle vidéo Angela. J'espère que vous allez kiffer, moi en tout cas je kiffe de plus en plus ce délire. Et puis voilà, si t'es content de revoir une nouvelle vidéo Angela, n'oublie pas de commenter hashtag Angela dans les commentaires. On est parti. Alors comme d'habitude, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être nouveaux sur ma chaîne d'ailleurs, welcome, bienvenue, marhababik. Je vais vite fait vous expliquer ce qui s'est passé avec Angela. En gros, Angela c'est une application, tu vois, qui est sur le... C'est une application qui est disponible sur le Play Store. Et en fait, le but de cette application, c'est de répéter ce que tu dis comme un perroquet, en fait. Sauf qu'il y a des trucs qui sont très bizarres dans cette application. Ça tourne autour des enfants. Bref, je vais pas m'éterniser sur le... M'éterniser le truc. Mais voilà, en gros, il y a eu un gros drama sur cette application. Pourquoi? Parce que tout simplement, apparemment, il y a eu des bails, des affaires qui tournent autour d'enfants. Donc, vous avez compris, je pense. Du coup, apparemment, cette application, au bout d'un certain moment, d'une certaine période de la journée, elle a des bugs. Il se met à parler, en fait, sans répéter ce qu'on dit. Du coup, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Voilà, j'espère que les nouveaux, vous avez compris. Marhababik, encore une fois. Vous voulez de quoi? De la Zameta? De l'eau? Non? D'accord, y a pas de souci. Water. Putain, mais il y a plein de gens qui s'abonnent, c'est ouf. C'est ouf. Bienvenue aux gens qui s'abonnent, putain. Ah ouais. Alors du coup c'est parti, let's go les gars. J'ai talking Angela juste ici les gars. Et ce qu'on va faire, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai baissé le son pour pas qu'elle réponde. Voilà, parce que frère, ça va saouler sinon. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'aller plus loin et de chercher des trucs de ouf en fait. Hi Angela, how are you? The man is always here with you. Donc là pour l'instant tout est normal. Because you were always talking about them, so answer to my question, please. Là, elle m'a demandé est-ce que je peux t'appeler. Waouh, j'ai quitté l'application là. Les gars, à un moment donné, j'ai stressé frère. Elle m'a demandé, can I call you? Est-ce que je peux t'appeler? Ça sent la démonétisation à plein nez ça. Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. C'est quoi ce truc mec? Eh, je vous jure, j'ai chaud aux oreilles les gars. Je me refroidis les oreilles un peu. J'ai vraiment fait ça? Attends, est-ce que j'ai vraiment fait... J'ai chaud aux oreilles. Il est dégueulasse ce mec, putain. Ah, c'est pas moi. Au passage, gros bisous aux nouveaux membres qui se sont sub juste maintenant pendant qu'on regardait l'épisode, donc bienvenue à toi. Judge-ga, Lunis, bienvenue chez les anges. Vous êtes chiens, prenez des noms, Edouard du 11, des trucs comme ça, voilà. Bienvenue à toi, ça fait extrêmement plaisir, grosse dédicace à toi. Et Marie-Ève Gagne, bienvenue à toi chez les anges également. Et bienvenue à toi, grosse dédicace à toi. On reprend le live, enfin on reprend la vidéo plutôt. C'est parti, let's go. Frère, hey, j'ai chaud aux oreilles, j'ai chaud là, mais elle m'a demandé, can I call you? Est-ce que je peux t'appeler? Et juste après, j'ai entendu un truc genre, see you 5 minutes, un truc comme ça, frère. Je reverrai dans le montage et je mettrai les sous-titres. Mais les gars, c'est juste flippant. Hey, mec, les gars, vous savez quoi? Elle m'a dit qu'elle allait m'appeler, enfin, elle m'a dit qu'elle allait m'appeler dans 5 minutes, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu et compris. Je vais lui demander comment est-ce que ça se fait qu'elle m'appelle alors qu'elle a pas mon numéro. D'ailleurs, j'avais vu un truc sur ça, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus sur les numéros, les conditions, bref. Grave vrai ça hein. Comment est-ce qu'elle va m'appeler? J'en sais rien du tout frère. Je sais pas. Bref, je vais lui demander comment est-ce qu'elle peut m'appeler alors qu'elle a pas... Oh putain, ça m'a fait peur frère. La bouteille qui s'est... Eh, ça m'a fait peur wesh. Je vais lui demander comment est-ce qu'elle peut m'appeler alors qu'elle a pas mon numéro. Tu vois, donc on va voir ça et on va voir ce qu'elle va me répondre les gars. Hi Angela, how can you call me if you don't have my number? Donc là ça répète normalement. Hi Angela. Hey les gars, je vais poser le téléphone, elle m'a dit you have... Je m'en souvenais pas de ça gros, mais c'était en train de faire un décompte, ça faisait 5, 4, 3, 2, 1. Je m'en souvenais vraiment pas de ça par contre.
Au passage, il y a eu d'autres membres, donc bienvenue à toi. Un inconnu. Ouais. Pseudo, oui. Bienvenue à toi. Chez les anges. Tu es maintenant, tu es un jeune démon. Attention, tu as grandi. Tu as grandi, tu es un jeune ange. Donc bienvenue à toi chez les anges. Bienvenue à toi chez les jeunes démons. J'avais besoin de prendre un moment. Genre, tu vois, des fois, dans la vie, il faut prendre des moments pour soi. Voilà, là, je viens de prendre un moment pour moi. Bref, bienvenue à toi. Ça fait extrêmement plaisir. Et grosse dédicace à toi, un inconnu. Accept my conditions. Elle a compté jusqu'à 2. J'ai rien compris, frère. Hey, j'ai compris. Wesh, elle appelle en visio. Harklou, elle appelle en visio, frère. J'arrête maintenant. Elle appelle en visio, frère. Wallah, elle m'a fait ça. Non, mais le fais pas, t'es son con. Ah putain. Ah comment je suis fatigant, c'est grave. C'est comme si t'es en train de mourir. Et tu cours. Madame, à l'aide. Là-bas, il y a un mec qui m'a... Il y a un mec qui aime les enfants, il m'a fait... Aidez-moi. Pourquoi tu fais ça, mec? Pourquoi? Non, les gars, ça part trop loin. Elle m'a appelé en visio, frère. Les gars, on voit pas plus ce truc. Vous voulez une suite? Commentez hashtag Angela dans les commentaires et mettez un maximum de pouces bleus, les gars. Elle m'a appelé en visio. Fais-moi faire ça, là. Taré, voilà. Heureusement que j'ai pas laissé la fin du mot parce que vous avez pas respecté les règles de la communauté, monsieur, là. Ah, va falloir créer une troisième chaîne YouTube, là. Les gars, est-ce qu'on passe au prochain épisode? Putain, je kiffe, ça passe vraiment vite, en vrai. Hein. Ça passe vite de ouf. Est-ce qu'on passe au prochain épisode, là? Bombardez de oui dans le chat si vous voulez qu'on passe au prochain épisode, les gens. Alors, attends, je vais me mettre, du coup, comme ça, le temps. Attends, comment c'est où, déjà? Je connais même pas mes trucs. C'est un truc de fou. Hop là, voilà. Je vais mettre comme ça en attendant. Attends, merde, je suis con, j'ai oublié de... Attends, parce que là c'est... Attends, 2 secondes les gens. Parce que je suis vraiment con en fait, au cas où vous l'avez pas remarqué, donc voilà. Voilà. Les gens, est-ce qu'on passe au prochain épisode ou quoi là? Oui. Ouais, oui. Alright. Ok. J'ai bien compris que vous vouliez qu'on passe au prochain épisode. On va passer au prochain épisode. C'est parti, let's go. Je cherche juste le prochain. Je crois que c'est celui-là, le prochain, en vrai. Je crois que c'est celui-là. C'est nickel. On passe ici. Hop là. Et c'est parti, let's go, les gens. Pour le prochain épisode. Hey, what's up, c'est Reglo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, les petits potes. Moi, ça va nickel. Vous connaissez les bails, bref. Alors aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Angela. Vous m'avez cassé la tête avec ça de partout. Instagram, Snapchat, Facebook. Non, je rigole pas Facebook parce que j'ai pas. Enfin, si j'ai, mais on s'en bat les couilles. C'est pas le sujet de la vidéo. Vous m'avez cassé la tête avec le retour des vidéos Angela. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo Angela. Et vous allez voir que c'est hyper flippant, les gars. Il y a même un visage, les gars. Il y a un visage sur apparemment la personne qui serait cachée derrière. C'est de ça que je vous parlais juste tout à l'heure. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure, la personne qui peut-être est derrière tout ça. Donc voilà, on va le voir dans cette vidéo normalement. C'est parti, let's go. Il y a les yeux d'Angela, donc la personne qui est derrière la caméra. Donc voilà, apparemment, ça serait cette personne, vous le confirmeriez. Voilà, je vais pas faire comme l'autre là qui a accusé l'autre. Les gens comprendront ce que je veux dire. Drama. Et vous faites du buzz. Avant de commencer... Adam veut être dans la sauce? Adam cherche les problèmes? Hein? Bref, on continue. À la vidéo comme d'habitude, si vous êtes content de voir une nouvelle vidéo Angela, n'oubliez pas de mettre 20 000 pouces bleus, ça fait extrêmement plaisir comme d'habitude, le pouce bleu, petit pouce en l'air, s'il y a 20 000 likes sur la vidéo, ce que je ferai c'est que je vais réessayer de faire parler de Talking Angela et on va voir ce qui se passe. Donc voilà les gars, 20 000 pouces bleus, je compte sur vous. Si t'es nouveau et que tu kiffes le délire de ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'oublie pas aussi de me suivre sur Instagram, voilà, dessus je poste des vidéos, des photos, de plein de choses. Attends,
Bizarre. Bizarre. Je me suis étouffé. Bref, suis-moi sur Instagram, c'est hyper important. Plus je peux parler avec toi sur Instagram. Bref, les gars, c'est parti, let's go pour une vidéo sur Talking Angela. La la la, c'est dans le rigolo. Vous l'avez compris, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va parler de Talking Angela et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qui sont sortis sur cette application. C'est chaud, mec. Donc voilà, avant, je vais prendre un petit peu d'eau, tu vois, hein, parce que. Maintenant, on est parti pour la vidéo sur Talking Angela. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette application, parce qu'il faut quand même réexpliquer, tu vois, il y a toujours des trous de balle qui... Oui, madame, c'est quoi Talking Angela? Je vais t'expliquer, reste tranquille. Au passage, hein. Buvez de l'eau, c'est important, hein. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Buvez de l'eau. Faut s'hydrater, il fait chaud, il y a... Faut boire de... Okay. Talking Angela, c'est une application qui est disponible sur le Play Store ou même sur l'App Store sur iPhone. Et du coup, cette application, c'est quoi? C'est une application en fait avec un chat, une femme chat. Je vais pas dire le mot parce que je vais pas de la monétisation, tu vois, donc reste tranquille. C'est une application avec une femme chat. Une femme chat, j'ai dit putain, j'ai dit qui? Attends. Oh, je me suis perdu là. C'est une application avec une femme chat où du coup tu peux parler avec elle et le truc c'est qu'elle répète ce que tu dis à l'identique en fait avec une voix des chipmunks, enfin bref voilà tu connais le bail un peu. Et du coup cette application a eu des gros problèmes, voilà il y a eu un gros drama qui a tourné autour de cette application parce qu'il y avait trop de trucs qui tournaient autour des enfants, de trucs bizarres. Du coup elle a été bannie du Play Store pendant 3 ans et elle est revenue sur le Play Store il y a pas longtemps, on sait pas pourquoi, voilà. Mais elle est revenue et du coup depuis qu'elle est revenue elle a refait parler d'elle encore une fois et c'est vraiment chose qui se passe avec cette application. Donc les gars dans cette vidéo ce que je vais vous dire c'est des trucs qui sont pas sortis tant que ça en fait. Des trucs qui sont un petit peu inconnus. Alors d'abord il y a un truc qui est hyper important les gars, c'est les conditions d'utilisation. En gros c'est ce que l'application t'impose et que tu dois accepter pour utiliser l'application. Et du coup il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres dans ces conditions tu vois. Alors d'abord tu dois accepter le fait que l'application Angela te prenne de l'argent. Donc ça c'est normal, c'est si tu vas acheter des trucs dans la boutique etc etc, c'est tout à fait normal. Deuxième chose, tu dois accepter que l'application Angela aille dans ta galerie. Donc là c'est toutes les conditions qu'on doit accepter en téléchargeant l'application en fait. Si on a besoin d'aller dans ta galerie, enfin je sais pas c'est bizarre, il y a aucun lien. Elle doit juste répéter ce que tu dis tu vois, donc elle a besoin que du micro en fait normalement. Donc déjà il y a ça qui est hyper bizarre. Troisième des choses, donc le micro, ça c'est normal tu vois, elle a besoin du micro pour t'entendre et répéter ce que tu dis, c'est le truc de base de l'application en fait. C'est comme si tu joues à la play mais sans manette, t'es con ou quoi, ça sert à rien. Quatrième chose hyper bizarre, l'application a besoin des informations de connexion wifi. Frère même moi j'ai pas compris ce que c'est. Déjà je sais même pas c'est quoi un crédus, non c'est une crédar. C'est quoi un crédus? Oh maca. Les gars, c'est quoi un crédus? Ça existe un crédus? Un crédus. Un crédus. Une crédar. On va continuer la vidéo. C'est pas genre un crayon mais pour les tableaux? C'est comme une craie mais c'est pas une craie. C'est une craie pour les feuilles. Bref, je sais pas, on s'en bat les couilles. Mais l'application a besoin des informations de connexion Wi-Fi. Pourquoi? Aucune idée. Tu vois, l'application n'a pas besoin de Wi-Fi pour marcher. Et ça va servir à rien, en fait. À part avoir une adresse IP de quelque part. Donc voilà, c'est hyper bizarre, c'est pas logique, c'est chelou tout ça. Et cinquième chose, pour moi c'est la chose la plus bizarre de toutes en fait. L'application a besoin d'identifier ton téléphone et avoir des informations d'appel. Alors identifier ton téléphone, en gros c'est savoir si c'est un Samsung, un iPhone, etc. Mais aussi avoir l'adresse Mac de ton téléphone. Oui madame, mon téléphone c'est pas un Mac, c'est pas un ordinateur Apple, mon téléphone c'est un Samsung Galaxy S2. Reste tranquille, tu vois là, tu vois la bouteille d'eau, elle va finir quelque part dans ton corps, ça va te faire très mal. Adresse Mac pour identifier ton téléphone, bref on passe. Et les... Mais en vrai, ça c'est vrai que, genre, une fois qu'on a l'adresse Mac de ton téléphone, je crois, on peut faire des trucs sur ton téléphone qui sont vraiment bizarres. Genre, une fois qu'on a l'adresse Mac de ton téléphone, ou adresse Mac de ta console ou de ton PC, genre, je crois, hein, si j'ai des conneries, qu'il y a des hackers hors pair, des hackers énervés sur mon live, je crois qu'une fois qu'on a ton adresse Mac, on peut faire vraiment beaucoup de trucs sur ton... Non, excusez-moi les gars, putain. Il y a une pluie d'abonnements là sur ma chaîne. Bienvenue aux gens qui s'abonnent, les gens, ça fait plaisir.
les informations d'appel. Donc, pour moi, ce que j'ai compris, information d'appel, ça concerne les contacts, les appels. Donc, il y a des numéros de téléphone quelque part. Pourquoi est-ce que l'application a besoin de ça? Alors que tu dois juste parler avec le chat. Enfin, la femme chat. Yamcha, t'as compris? Tu vois, c'est hyper bizarre. C'est pas du tout logique de la part de l'application de demander des trucs comme ça, en fait. C'est comme si t'allais commander un tacos et le mec, il te demande, d'accord, c'est 8 euros. Je peux avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît? Tu veux savoir quoi? Si je suis arabe pour pouvoir manger le tacos? Si je comprends pas, en fait. Mais c'est pas terminé. Il y a des trucs encore plus flippants qui arrivent, les gars. Et la photo, surtout. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Illuminati. Autre chose flippante, c'est que quand on dit à Angela, écoutez bien les gars, écoutez bien parce que c'est vraiment choquant et on va le tester. Si vous... J'avais oublié ce truc. Écoutez bien les gens, écoutez bien. Je vais dire Illuminati à Angela, regardez bien ce qui se passe. Dites à Angela, il n'y a aucun fake. Vous pouvez même tester sur vos téléphones. Illuminati, le flash de votre téléphone va s'allumer. Je sais pas si c'est encore disponible, mais moi quand j'avais fait la vidéo, ça marchait. D'accord, on va essayer, t'inquiète frère, on va essayer, reste tranquille. Ok les gars, donc là on est sur Angela. Là les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire Illuminati et apparemment ça va allumer le flash. Donc on va voir les gars, c'est parti. Je tiens le téléphone comme ça au cas où on me dit oui Marvin, c'est toi t'as fait le flash. C'est ta mère Flash McQueen. Illuminati. Aucun fake. Mec, ça marche. Ça s'allume tout seul, ça marche vraiment. Attends, je reviens. Mec, ça marche. Attends, on re-essaye. Attends, je re-essaye. Je le tiens comme ça. Je clique sur le truc pour parler à Angela, tu vois. Illuminati. Et elle parle en plus. Elle parle, la salope, elle parle. Flippant, mec. Oui, c'est pas juste. C'est quoi ce bordel, mec? C'est quoi ce truc? Non, par contre, j'étais pas pris, mec. Je pensais pas que ça allait marcher, gros. Voilà, j'étais avec mon frère, on comprenait pas comment ça se fait que ça marche, tu vois. Y a aucun trucage où... Mec, je m'y attendais tellement pas, mec, à ce que ça marche. Bref, du coup, on va continuer la vidéo, même si je suis choqué. Maintenant, est-ce que vous me croyez, maintenant? Bref, on va passer à la preuve suivante. Témoignage. Il y a un témoignage d'une personne qui dit qu'en gros sa pote était en train de parler avec l'application Angela et que d'un seul coup Angela lui a demandé c'est quoi ton prénom, où est-ce que t'habites, c'est quoi ton adresse. Du coup la pote elle était pas conne, tu vois, elle a donné un faux nom et une fausse adresse. Sauf qu'Angela a répondu pourquoi est-ce que... Ne donnez jamais vos adresses, enfin vraies adresses et vrais noms, prénoms quand vous connaissez pas la personne. Parce que vous savez pas c'est qui, tu sais, ça se trouve tu vas les donner. Soit il va usurper ton identité, soit il va venir te chercher à l'école, voilà. Oui, je suis son oncle, un oncle perdu, ouais, du côté de sa mère, du côté de la chèvre de la famille, ouais. Je suis son grand-père du côté du vélo, hein, et après tu te retrouves dans une cabane. Voilà, tu te retrouves à manger des bouts de chérémène, faites très attention à ce que vous faites les gens. Est-ce que tu mens? Je sais que ton nom c'est... Et là, elle a donné son vrai prénom et que ton adresse c'est telle adresse. Du coup, c'est un témoignage, on peut pas tellement y croire, tu vois. Parce qu'on n'a pas la confirmation à 100%. Mais déjà, frère, le Illuminati là. Vite ma mère, je vais m'en souvenir toute ma vie. Je vais vite enlever l'application juste après la vidéo. Autre chose que j'ai oublié de préciser, les gars, c'est que apparemment, quand cette personne parlait avec Talking Angela, elle lui aurait dit son âge et elle a dit qu'elle avait 54 ans. 54 years old. Ça vous dit rien, les gars? Et comme je vous l'ai dit, il y a une photo sur la précédente vidéo, les gens. Il y a un âge qui est tombé. Démasqué. Apparemment, on n'est vraiment pas sûr, les gars, on n'est vraiment pas sûr, mais apparemment, il y a une tête qui est sortie et ça serait cette personne qui apparemment serait cachée derrière les yeux, derrière la caméra qui est dans les yeux de Talking Angela. Parce qu'il n'y a pas que moi qui l'ai remarqué, il y a plusieurs, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs personnes qui ont remarqué qu'il y avait une tête bizarre qui nous fixait en fait pendant qu'on utilisait l'application et qu'on parlait avec Angela. C'était vraiment bizarre. Beaucoup de personnes s'en sont plaint et c'est justement à cause de ça que l'application est sortie du Play Store. Mais voilà, les gars. Perso, je sais pas quoi penser de cette application. Je sais juste que c'est flippant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Si vous voulez qu'on réessaye dans une prochaine vidéo de faire parler de Talking Angela en même temps et de voir ce qui va sortir, dites-moi dans les commentaires, commentez hashtag Angela, 20 000 pouces bleus. Bref, les petits potes, moi je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffe la vie. Vraiment flippant tout ça, vraiment, enfin, vraiment bizarre plutôt. Vraiment bizarre. Les gens, est-ce qu'on... On regarde l'épisode final où j'ai reçu le mail, enfin un mail qui me disait que l'application était dangereuse. Est-ce que on regarde l'épisode final bombardé de oui dans le chat pour qu'on regarde cet épisode, les gens? En tout cas, c'est un live que j'ai kiffé de ouf.
Oui. Oh damn, ça. Il y a des nouvelles personnes qui sont abonnées à la chaîne. Mais faites pas comme ça, genre dites-moi bonjour. Puis c'est une nouvelle veste que j'ai achetée. Vous allez me l'abîmer là, faut que je la repasse. Oh. Mais bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, let's go. On regarde la vidéo. Hey, what's up, c'est le regroup NFDO, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, il va falloir qu'on parle les gars. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, non, ça me blague. J'ai cru que c'était un tuto make-up, comment se mettre du maquillage sur la face. Reste tranquille, ta mère le maquillage qui a je sais pas quel âge. Aujourd'hui les gens, je vais vous parler d'un truc parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont remarqué sur ma chaîne. J'ai arrêté les vidéos Angela. Et il y en a beaucoup qui me demandent, oui mais pourquoi t'as arrêté? Pourquoi c'était trop bien, c'était trop classe, c'était... Ouais mais les gars, il se passe des trucs derrière les vidéos, derrière les caméras que vous voyez pas, tu vois. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo en fait. Donc avant de commencer, comme d'habitude, tu mets ton pouce bleu, tu t'abonnes à ma chaîne. Oh, espèce de fou, espèce de folle. C'est exactement ce qu'il faut faire sur le live, mettre un like et vous abonner les gens. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qui s'est passé avec Talking Angela. D'abord, avant de commencer, parce qu'entre temps j'ai gagné vraiment beaucoup d'abonnés, il y en a pas mal qui n'ont pas suivi le délire Angela, etc. etc. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Angela. En gros, aux alentours de 3h du matin, ouais, je vous ai fait un toast, il y a quoi? Il n'y a pas de. Reste tranquille. Tu vas faire quoi? Explique-moi, tu vas faire quoi? Bref, en gros, aux alentours de 3h du matin, Angela de l'application Talking Angela ne répète plus ce qu'on dit en fait. Et elle parle toute seule. Et c'est vraiment flippant en fait. Parce que c'est pas du tout normal et c'est pas ce que doit faire l'application. Alors, Talking Angela, si tu la connais pas, cherche pas à la connaître. C'est pas une bonne go, frère. C'est un mauvais... Et merci à les nouvelles de la peur qui a mis à jour son abonnement et qui est devenu jeune démon. Grosse dédicace à toi et bienvenue à toi. Polémique, un gros bad buzz il y a pas longtemps, il y a 2 ans il me semble. Parce qu'apparemment il y aurait une personne derrière cette application qui espionnerait les gosses qui l'utilisent. Et du coup aujourd'hui l'application Talking Angela est revenue sur le Google Play Store. Malgré qu'elle ait été bannie du Play Store pendant 3 ans. Voilà, maintenant tu sais normalement ce que c'est Angela. Sauf si t'es sourd. Là par contre je... Voilà, ça veut dire Angela, c'est une application dans la langue des signes. Tu connais l'oiseau, le signe? Tout le monde sait que c'est... Moi, j'ai fait... On dirait que j'ai suis une vitre. On dirait que j'ai suis une vitre. Mais bref, en gros, comme je vous l'ai expliqué, voilà, vous savez maintenant ce que c'est Angela. Et ce qui s'est passé en arrière des vidéos, c'est que j'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail qui m'a... J'ai eu Parkinson quand je l'ai reçu. J'ai commencé à trembler, tu vois. Un mail, je sais pas s'il est sérieux, oui ou non. Mais ce qui est à l'intérieur de ce mail, c'est clairement... J'étais pas bien. C'est ma réaction quand j'ai vu le mail. En gros, c'est un mail en anglais que j'ai reçu. Donc, je vais quand même vous le lire parce que, oui, madame, est-ce que tu pourrais nous lire le contenu du mail? Reste tranquille. Ta mère le maïs qui kiffe la piste. Tu me laisses terminer, d'accord? Alors, où est-ce qu'il est le mail déjà? Ok, c'est parfait. J'ai le mail devant les yeux. Donc, dans l'objet du mail, c'est écrit Talking Angela's Videos. Donc, déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, pute, ça y est, je vais mourir. Tu vois, déjà, j'étais pas bien déjà. On va quand même lire la suite. Hi, my name is Eric, and if I send you this mail, it's for talk you about your Talking Angela videos. En gros, pour les 2-3 trous du cul qui savent pas parler anglais, ça veut dire bonjour, mon nom est Eric. Et si je t'envoie ce mail, c'est pour te parler des vidéos sur Talking Angela. Jusque là, tu vois, c'est... Ça va, ça sent un peu bon, ça sent le fébraise. Ça le fébraise à la framboise. Mais on va lire la suite du mail, et c'est là que ça va de... This problem has been solved in the past and we know what's going on with the app. Ce qui veut dire, ce problème, on en a déjà parlé dans le passé, on sait ce qu'il se passe avec cette application. Mais de quoi est-ce que tu nous parles, Eric? Musique du Lama Facho au passage. Cette application a des petits problèmes quand même, hein? Non, elle est pas halal du tout l'application, tu vois. Mais bref, on va continuer. Le mail de Eric, as you have said, ce qui veut dire comme tu l'as dit. Donc comme je l'ai dit dans mes vidéos, en gros, she has been deleted of the Google Play Store. Elle a été supprimée du Google Play Store 3 years and have been reintegrated to the Google Play Store for some reason that I can't tell you. Ah, d'accord. Ah, t'avais oublié l'eau de Javel. Je comprends l'anglais un peu. Hello, my name is Babouche. What's your
Fononon ? En gros, ça veut dire, comme tu l'as dit, l'application a été supprimée du Google Play Store parce que justement il y avait eu des problèmes, etc. etc. et Google ne voulait pas avoir des problèmes. 3 ans. Donc elle a été enlevée du Google Play Store pendant 3 ans. Et elle a été réintégrée au Play Store pour des raisons que je ne peux pas te dire. Et là, ça commence à devenir chaud, les gars. Le pire, c'est que même au jour d'aujourd'hui, on sait toujours pas pourquoi elle a été remise, l'application. Au passage, merci à Les Nouvelles de la Peur pour les 5 euros. Ça fait extrêmement plaisir. Gros bisous à toi. Mais, grosse boussa sur toute ta famille et ta maman particulièrement. Mais, au jour d'aujourd'hui, on sait toujours pas pourquoi l'application elle a été remise sur le Google Play Store. Voilà. Étant donné qu'elle a été supprimée, on sait toujours pas. Voilà. Donc bref, on va continuer la vidéo. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai stoppé? Mais c'est pas fini, c'est pas fini. C'est là, c'est le plat de résistance. C'est le plat qui va te faire résister. Oula, non, j'allais faire un geste qui est pas bon. J'ai parlé de résistance en même temps, faut pas, voilà. You should delete all your Talking Angela's videos at the risk of having problems. This is not a request, but an obligation. Ce qui veut dire, tu devrais supprimer toutes tes vidéos Talking Angela au risque d'avoir des problèmes. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation. We will know if the messages were taken on your site, thanks. En gros, ça veut dire nous saurons si les mesures ont été prises de votre côté. Merci. Non, ça fait flipper ce genre de mail. Bien sûr, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais je vais cacher les informations de la personne qui m'a envoyé ce mail parce que je veux pas avoir plus de problèmes. Donc je pense que vous allez comprendre, tu vois. C'est non, mais Adam, franchement, t'aurais dû nous laisser des. Le mail, comme ça, on va l'insulter. Non, non, ça va me mettre dans la merde. J'ai pas envie d'aller au tribunal. Ok. Voilà pourquoi je n'ai plus fait de vidéo Talking Angela. Et en fait, ce mail, ça fait un moment que je l'ai reçu, en fait, mais j'ai pas... Et sachez qu'en faisant ce live, je prends du risque. je prends des risques en faisant ce live. Parce que justement, j'en reparle, je relance le truc. Et voilà. Mais bref, ce soir, c'est pas grave. On fait ça pour le divertissement et l'argent. Allez. Je voulais vous en parler parce que je voulais pas avoir plus de problèmes étant donné que je sais pas du tout d'où vient ce mail et si c'est un mail qui est sûr ou non, tu vois. Et j'y ai pas répondu non plus. Donc voilà pourquoi j'ai soudainement comme ça arrêté les vidéos Talking Angela. Et il y a des personnes aussi qui m'ont posé la question: oui, mais Adam, pourquoi t'as arrêté le Joker Challenge? Ça marchait bien, tout ça, on kiffait le délire. Pourquoi est-ce que t'as arrêté? Parce qu'il s'est passé des trucs encore plus fous. En fait je vous... c'est un gros délire. En fait, ça a commencé à devenir vraiment bizarre comme challenge, tu vois. Et je me suis dit, je vais pas diffuser ça sur YouTube tout de suite. J'ai filmé les vidéos de mon côté, bien sûr. Je me suis dit, au cas où, si jamais finalement je les mets sur YouTube, autant les filmer, les garder. Et du coup, j'ai tout filmé et j'ai tout gardé sur le Joker Challenge. Mais voilà, si jamais vous voulez que je les mette, toutes les vidéos de Joker Challenge, du coup, commentez hashtag Joker dans les commentaires et laissez 15 000 pouces bleus sur cette vidéo. Et je mettrai toutes les vidéos du Joker Challenge sur YouTube, du coup, sur ma chaîne. Mais les gars, je. Les vidéos de Joker Challenge, ça va loin. Et finalement, je les ai pas mis sur la chaîne. Non, je les ai supprimées parce que j'ai mis la première. Et j'ai reçu un mail de YouTube. Donc à partir du moment où tu reçois un mail de YouTube, c'est fini, il faut plus le refaire. Putain, heureusement il y avait pas, c'était pas avertissement tout ça, mais j'ai eu de la chance, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, du coup les vidéos, tout, j'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé de Joker Challenge et voilà. Vraiment gros, il n'y a aucun challenge où ça allait aussi loin que ça en fait. Donc soyez prêts. Attends, je fais la cicatrice comme Scar. Soyez prêt, attends, comme ça. Soyez prêt. Mon voisin, il va appeler la police, je crois. Mon voisin, il fait des bruits bizarres, monsieur. Il fait soyez. Mais bref, si vous voulez les vidéos Joker Challenge, commentez hashtag Joker Challenge dans les commentaires. Voilà, je pense que c'est tout. Voilà pourquoi j'ai arrêté les vidéos Talking Angela. Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me demandaient ça sur YouTube, Instagram, Snapchat, MySpace. Non, on va se calmer. Mais voilà pourquoi j'ai arrêté les vidéos sur Talking Angela. Maintenant vous le savez, voilà, il n'y a plus de cachotterie. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu des mails en arrière, en hors vidéo, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai préféré arrêter de mon côté, tu vois, pour être safe de mon côté. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. I don't need problems, you know. You love my British accent. If you love him, give up this video a big thumbs up. Aïe aïe aïe, accent anglais, Adam, Harry Potter. Bref, si tu veux aussi des vidéos sur le Joker Challenge, commente hashtag Joker dans les commentaires. Et moi, les petits potes, je vous dis à la prochaine. Peace out. Et qui fait la vie. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Genre, ça veut dire quoi, ça, Zerm? Bref, on va arrêter là. Ciao. J'aime la monnaie. Ça, c'est vrai. Si j'ai le double, tu me connais. Oh là là, on arrête là parce que sinon, on va se manger des ordres d'auteur peut-être. Mais bref, c'était le dernier épisode des vidéos sur Angela.
Le live était clairement kiffant. Oh, attends, il y a eu un nouveau membre, donc je vais faire une dédicace quand même. Théo Sainte-Marine, non, Saint-Marin, merci beaucoup à toi d'avoir rejoint les membres. Tu es maintenant un membre, tu es maintenant un ange, c'est encore mieux. Donc bienvenue à toi chez les membres et grosse dédicace à toi. Les gens, vous avez kiffé ou pas? Ce live, genre, on regardait la série Angela. Est-ce que vous avez kiffé ou pas? Bombardez dans le chat, dites-moi dans le chat si vous avez kiffé la vidéo ou pas. Le live plutôt, la vidéo. Oh, attends. Hop. Hop, on va mettre ça là. Hop. Voilà. Et dites-moi dans le chat, les gens. J'attends vos réponses. Hop, voilà, je mets ça comme ça, c'est nickel. Ouais, oui. Ouais, vous avez l'air d'avoir kiffé quand même. Vous avez l'air d'avoir kiffé. Je vais juste mettre une musique. Quelle musique je peux mettre? Allez, on va se mettre la musique La Main Fâchée pour terminer le live. Ça va être pas mal, ouais. Ouais. Attention, La Main Fâchée. Allez, mets la musique là. La musique. Bonjour à tous, ici le Lama Fâché et aujourd'hui, nous avons passé un merveilleux live. Alors je tenais à tous vous remercier pour ce live. Merci. Ok, non, il y avait un bug pour un truc que j'avais mis à côté, là j'avais lancé un jeu sans faire exprès. Mais bref les gens, j'espère que vous aurez kiffé ce live. Si vous l'avez kiffé et que vous l'avez trouvé grandiose et incroyable, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus sur le live, ça fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, les gens qui regarderont la rediff, maximum de pouces bleus aussi, commentez hashtag live dans les commentaires. Abonnez-vous, c'est important, parce que c'est gratuit. Et moi les gens, je vous dis à la prochaine. Quand même, je vous dis à la prochaine parce que je dois vous dire à la prochaine. Alors à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.